Voilà. Voilà, est-ce que vous m'entendez Voilà, ça devrait être bon cette fois-ci. Alors, on va voir si ça fonctionne. On a toujours 30 secondes environ, un petit peu moins de 30 secondes euh, de décalage. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ok, ça marche. Hum, bon, alors ce soir, euh, énormément de questions. Entre les questions euh, de, la, de, on va dire de la fois précédente, euh, auxquelles je n'ai pas pu répondre, plus les nouvelles questions entre-temps. On, on va faire au mieux. Euh, et je pense que je vais devoir limiter peut-être à, à, à une ou deux questions par personne euh, pour, euh, à l'avenir, parce que sinon je vais... Avoir des questions sans cesse reportées euh, ou d'autres auxquelles je ne pourrais pas répondre. Voilà. Donc, euh, voilà pour cette, cette courte introduction. Donc, c'est le cuir d'octobre. On va un petit peu euh, légèrement décaler. Normalement, c'est le, le dernier mercredi ou le dernier jeudi du mois. Donc, je, euh, ce soir, on va parler euh, de carnivores, on va parler de carence, on va parler de. D'énergie, perte d'énergie, en cétogène également, en keto carnivore, en keto carniflexe, euh, quid de, de certains produits laitiers, de dérivés comme le, le whey et euh, les allergies par exemple. Euh, voilà, on va parler de, un peu de, de ces choses-là. Euh, on va parler également euh, femmes enceintes, on va parler enfants, euh, alors rapidement, très rapidement même, euh, chute des cheveux, je ne sais pas si je l'ai dit, et de mémoire. Je crois que voilà, c'est les sujets principaux. Euh, perte de poids aussi euh, en, en, en alimentation, euh, régime Sequoia, euh, voilà, méthode séquoia santé. que faire dans ce cas-là? Euh, voilà pour les sujets principaux. Et avant d'attaquer donc juste quelques nouvelles au niveau de Sequoia, alors on a fait la migration, il y a, il y a de ça maintenant euh, une semaine, c'était dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Ça nous a pris des mois pour préparer ça, grâce à un ami médecin et heureusement développeur assez assez rares heures perdues, mais qui a consacré énormément de temps et je le remercie. Et donc on a fait cette migration, on est passé sur un nouveau site qui va nous permettre d'utiliser d'autres fonctionnalités. Donc on est on est très content. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça et on a essayé de tenir compte bien sûr de vos suggestions. Et donc la, la communauté, le forum a été euh, a été euh, donc changé, ce qui fait qu'on a perdu l'essentiel des discussions. Ça, je l'avais expliqué dans un, dans un mail euh, à tous ceux qui étaient inscrits euh, à la newsletter, par exemple. Et donc, euh, on, on reprend euh, un peu de zéro, hein, mais c'était malheureusement un des, un des prix à payer. Voilà, bon, donc ça c'est fait. Ce forum, bon, on va voir comment on l'organise. Il y a un peu deux parties. Une partie accessible à tout le monde pour permettre d'échanger et au plus avancé d'aider ceux qui sont par exemple novices ou d'échanger des astuces. Et donc également aussi une partie plus dédiée aux clients de la formation pour des questions plus pratico-pratiques, techniques sur la formation en elle-même et son application. Voilà, c'est un petit peu l'optique. Et moi, je continue donc à répondre à vos questions, questions donc... C'est un QR privé, donc ce sont des questions de, euh, des clients de la formation et d'autres personnes qui souhaitent nous soutenir financièrement, et on les remercie, euh, via euh, euh, l'achat euh, des, des QR en live. On peut, euh, pour 5 euros par mois, Acheter les cuirs en live et donc vous posez vos questions, j'y réponds euh, de mon mieux. Et euh, si vous les posez en avance, ça me permet aussi de faire des recherches si besoin, parce qu'évidemment, il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Et même après recherche, je n'ai pas toujours la réponse, mais on essaye de faire au mieux. Et, et donc, euh, ça, secondairement, je le, je le mets en, en, en vidéo accessible à tout le monde pour permettre à d'autres personnes qui pourraient se reconnaître dans les, les questions abordées. Eh bien de pouvoir en profiter également voilà que ça puisse servir à d'autres personnes bien sûr voilà pour ça donc on attaque euh, on attaque donc ce, ce flot de, de, de questions euh, énormes euh, voilà alors en ce qui concerne donc les, les questions donc euh, tant que j'y pense je vais commencer par, par Yves. Donc au sujet d'une perte massive, très massive de cheveux après huit mois de carniflex, pas d'autres symptômes à part une insomnie qui est passée euh, maintenant. Alors donc euh, la perte de cheveux, il faut vraiment la considérer comme, euh, comme un symptôme. Euh, symptôme soit euh, de, de carence, soit de troubles du, du métabolisme de base. Euh, ça peut être aussi un déséquilibre hormonal en général. Alors... Les carences, c'est le cas le plus classique. C'est pour ça qu'on se met à tout un tas de produits pour certains à base de biotine, d'acide pantothénique, etc. Et donc ces, ces carences, en gros, en vitamines du groupe B, hein, B5 et B8 en l'occurrence. Euh, mais il y en a bien d'autres qui peuvent entraîner ça. Euh, c'est donc un symptôme. Ça peut être aussi une diminution du métabolisme. Euh, et le piège, notamment là dans ce cas particulier. C'est de diminuer son métabolisme de base parce que, effectivement, si on, passe, on change d'alimentation, euh, on peut se retrouver avec certains blocages métaboliques, une difficulté pour s'adapter. je ne parle même pas vraiment de céto adaptation hein, je parle d'adaptation tout court. Et donc, à ce moment-là, euh, il n'est pas rare euh, de, de, de voir, euh, du coup, une diminution du métabolisme. Et cette diminution, elle peut être induite par une inhibition thyroïdienne périphérique, mais doublement périphérique, c'est-à-dire c'est même plus la thyroïde en l'occurrence, c'est les désiodases, les fameuses. Alors je ne parle pas de mutations génétique, hein, parce que là-dessus on a très très peu de recul. Euh, je parle simplement du donc des au, au niveau des euh, au, au niveau au niveau des iodases, c'est euh, c'est en fait les, les, une façon pour le corps de dire je ne veux pas que les, ces hormones thyroïdiennes me boostent parce que je suis en souffrance. Et donc, euh, soit qu'il y a une inflammation, soit qu'il y a des carences, quoi que ce soit. Et à ce moment-là, le corps réagit euh, au niveau des organes en euh, n'activant pas la T4 en T3 active, mais en la transformant en une hormone thyroïdienne qu'on appelle T3 aussi, mais qui est inactive, qu'on appelle reverse T3 qui peut être même inhibitrice directement, c'est loin d'être établi, mais qui, au moins par compétition, en fait, bloque l'action de, 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 de la T3 active. Voilà. Alors on en fait toujours beaucoup plus que de la T3, euh, mais euh, on fait à peu, à peu près 98% euh, ou un petit peu moins de reverse T3 et seulement à peu près 2%. Euh, mais dans, dans la pratique, cette, euh, cette, cette euh, réverse T3 peut être augmentée, c'est-à-dire euh, diminuer la T3 libre, ce qui revient en fait à une hypothyroïdie. Sauf que si on vous, fait la, on vous dose la T4 dans le sang, la T4 libre, hein, j'entends, elle est normale. Et donc on va vous dire, bah, monsieur, dame, c'est parfait, hein, tout va bien, votre thyroïde est nickel, et encore tout le monde ne fait pas la T4 libre. Il y en a qui ne font que la TSH, qui pour rappel est une hormone hypophysaire et dont on affaire qu'elle renseigne sur les hormones thyroïdiennes, que sont T3, T4, mais pas seulement. Il y a aussi donc la réverse T3, il y a la T2, la T1 et la T0 qu'on connaît moins bien, nettement moins bien. Et plus le chiffre diminue, moins on les connaît. Bon, euh, ceci étant dit, donc ça peut être lié à ça. Euh, mais il faut quand même, euh, ça, alors, même si c'est concomitant d'un changement d'alimentation, il faut quand même aller traquer des carences sous-jacentes qui auraient pu être décompensées à ce moment-là. Donc, à mon avis, bilan métabolique. Euh, sachant qu'à l'automne, de nombreuses personnes perdent davantage de cheveux. Hein, Je ne veux pas dire qu'on change les poils. Comme les, comme les chats ou les chiens, mais il y a un peu ce phénomène là. Hein. Euh, automne et printemps globalement c'est des moments où il, y a, il peut y avoir une, une chute de cheveux plus importante que l'été l'hiver par exemple. Euh, c'est rapporté par plusieurs personnes, euh, je l'ai moi-même expérimenté euh, sur moi et bon voilà et puis euh, finalement ça ne se passe pas si mal. Voilà. Et, et donc euh, il faut tenir compte de, de cet aspect également. Voilà pour la chute des cheveux, donc bilan métabolique si ça persiste pour vérifier, ces vitamines, sachant que la B5 n'est pas dosée en France, il faut la faire doser ailleurs si vous voulez la faire doser, que ce soit en Espagne, euh, en Allemagne, euh, par exemple. Et par contre, euh, donc les autres vitamines, il y a 8 vitamines dans le groupe B, donc c'est les premières par lesquelles il faut commencer. Mais après, il faut chercher aussi des désordres au niveau thyroïdien, bien entendu. Il faut chercher, que ce soit hyper-hypo, hein. euh, il faut chercher des, euh, des désordres euh, au niveau des stéroïdes, hormones stéroïdiennes. Donc euh, là, en l'occurrence, pour un homme. Euh, Commencer déjà par euh, testostérone totale plus testostérone libre plus oestradiol, un hein, autre oestrogène. Voilà, ça c'est la base. Voilà pour ça, euh, je pense qu'avec ça on devrait déjà y voir plus clair. Et euh, s'il y a des carences, bien, éventuellement supplémenter avec des vitamines activées euh, et euh, pures, donc pas avec d'autres saletés, et pendant une durée courte. Mais là après on rentre dans de la médecine personnalisée. Voilà pour ça. Ensuite, euh, euh, ensuite, ensuite, euh, alors je vais faire. En remontant. Alors, en remontant. Donc, euh, donc question de, question de, de Robert. Euh, pour répondre à, à tous nos détracteurs, j'aimerais avoir quelques réponses. La cétose fait augmenter le dit mauvais cholestérol. En effet, mes analyses de sang le confirment. Donc ça, j'en avais déjà un peu parlé, mais je le reprends volontairement. Donc, le cholestérol total augmente. Le cholestérol LDL qu'on appelait euh, naïvement le... Mauvais cholestérol autrefois euh, augmente également, et, euh, et donc euh, ça peut atteindre 6 grammes hein, sans problème, et donc ça fait euh, ça peut faire presque des crises cardiaques à vos médecins. Hein. Soyez, soyez doux avec vos, vos médecins, c'est pas le moment de leur créer des problèmes cardiaques, et, euh, et donc en fait c'est tout à fait normal. Donc il y a plusieurs explications qui ont été avancées à ça. Euh, la, la, la première explication, c'est, euh, on, on peut l'appeler l'explication de Volet-Caffinet, qui, euh, déjà dans les années 90 puis 2000, euh, avait étudié le phénomène et euh, explique qu'en réalité, lorsque euh, l'on brûle nos graisses, c'est-à-dire quand on passe en cétogène globalement, on va brûler les graisses que l'on absorbe, mais on va brûler aussi une partie de nos réserves. Donc en fait, il y a une cétogénèse mixte, à la fois d'apport alimentaire avec le gras, mais aussi de par la diminution de l'insuline, on va être plus enclin à brûler nos, notre excès de gras, et c'est pour ça qu'on perd, on perd du gras. Et c'est un des buts de recherche, bien sûr. Et donc, quand on perd du gras, en fait, les, les cellules graisseuses, et peut-être d'autres cellules comme le foie, lorsqu'ils contiennent ils ont une stéatose, et quand on est gras, on a toujours une stéatose plus ou moins avancée, à différents degrés, mais toujours au moins minimum. Et euh, qui n'est pas toujours visible à l'imagerie. D'ailleurs, il hein, ne faut pas confondre la stéatose au stade radiologique versus la stéatose au stade euh, microscopique, tel qu'on le verrait si on faisait une biopsie. Et donc, à ce moment-là, euh, eh euh, ces cellules relarguent pas seulement des, des, des acides gras, un hein, triglycéride, vous savez, glycérol et, et trois acides gras, mais également un peu de cholestérol qui aurait été stocké euh, dans, dans ces cellules. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on voit ce relargage. Et d'ailleurs, à tel point qu'on on voit aussi ce qu'on appelle un « relargage hein, », c'est le terme qu'on utilise euh, pour euh, des, euh, des pesticides, par exemple, hein, qui peuvent se stocker dans le gras, euh, c'est très classique, et qui, à un moment donné, euh, lorsque ce gras va fondre, euh, eh bien, ils vont, vont être relargués. Alors, il y, y a toutes les substances lipophiles, en fait, il n'y a pas que les pesticides, il y a toutes les dioxines, il y a les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc. Tout, toutes ces saloperies, en fait, euh, pour parler clair, sont lipophiles et, et c'est bien le problème parce que justement nous on est armés plutôt contre des choses hydrophiles c'est à dire qui se baladent dans l'eau qui sont solubles dans l'eau pas dans le gras et, et, et nos cellules ont une membrane qui est justement faite de graisse et qui empêche que ça passe et, et donc c'est ce qui permet d'éviter ça en revanche si vous avez quelque chose de lipophile donc qui, qui traverse les graisses qui se fond dans les graisses, ben évidemment ça passe la membrane alors c'est pas la seule explication bien sûr et c'est un raccourci mais c'est l'eau étant le solvant de la vie c'est vrai que du coup, on a mis des barrières contre ce qui est hydrophile, mais ces barrières sont par définition du coup faites de gras, et donc ce qui est lipophile va les franchir. C'est le cas d'ailleurs de certaines hormones euh, que l'on peut que l'on peut avoir, que, que l'on peut faire, qui sont lipophiles, euh, même s'il y a quand même toujours des transporteurs dédiés. Elles peuvent avoir un, une, une tendance à passer à travers. Voilà. Bon, euh, mais du coup. Lorsque l'on relargue, lorsque ces, ces, ces cellules se dégonflent, ces cellules de gras, eh bien, ça fait augmenter ce cholestérol. La, la, deuxième, la, la, la deuxième explication concerne plutôt la taille des particules, et en fait, euh, on estime que c'est plutôt une adaptation, et donc, en fait, le corps reçoit plein de gras, et en train de le brûler, il est tout content, et bien sûr, le LDL augmente, mais si l'on regarde bien, c'est euh, du, du LDL qui n'est euh, pas oxydé, et ce sont des particules plutôt dites larges, euh, et non pas, enfin grandes et, et peu denses, et non pas les, les petites particules de LDL, euh, qui sont plus denses encore, euh, et, qui, euh, et qui sont censées être plus, plus, plus embêtantes, plus hétérogènes, probablement parce qu'oxydées en réalité. Euh, voilà. Donc en fait, il y a une différence entre la quantité totale de cholestérol qui tourne dans le sang et la durée de séjour. Et donc, la durée de séjour joue beaucoup parce que plus ça traîne, plus ça s'oxyde et potentiellement plus c'est toxique pour le coup. Et probablement que ça participe à une inflammation sans forcément créer l'athérome. Ça peut peut-être effectivement le potentialiser. Et c'est tout le problème avec les acides gras polyinsaturés, n'est-ce pas euh, Pour lesquels, tiens, d'ailleurs, on va revenir sur une question, puisqu'il y a, il y a euh, des, des données récentes qui nous, qui nous donnent parfaitement raison par rapport à ce qu'on vous disait dans le Sequoia Santé, c'est-à-dire euh, piano sur les acides gras polyinsaturés, même soi-disant en est voilà pour ça, donc, euh, donc ces explications euh, sont les explications classiques. Et moi, ce que je préconise de toute façon, c'est de, de faire très simple. C'est-à-dire que euh, euh, déjà les triglycérides en général diminuent. Alors pas forcément immédiatement, ils peuvent monter un peu et rediminuer franchement après. Et le ratio triglycéride sur HDL est quand même un, un bon marqueur cardiovasculaire. Il y a encore des études relativement récentes qui le montrent même si ça divise énormément la communauté scientifique, euh, puisque ça gêne beaucoup, puisque les triglycérides, globalement, ça monte, euh, outre l'alcool, ça monte avec, avec le sucre, avec les glucides. Et donc, euh, voilà, c'est un, euh, un peu le problème quand on défend un, un régime riche en glucides. Et donc, euh, et donc, on fait un Doppler des artères, euh, donc une échographie plus Doppler des artères carotides, par exemple, et on voit très bien l'épaisseur de la paroi, les plaques, l'atherome, etc. Il suffit d'avoir un, un suivi tout à fait rapproché. Et donc, euh, j'avais donc répondu pour des patients qui avaient des records de cholestérol et qui avaient les plus belles artères. Donc, ils avaient un double record auprès de leur médecin. Et donc, c'est pour ça que j'incite toujours à ce qu'il y ait un suivi. C'est pas parce que on dit que ce cholestérol, nous, on dit qu'il n'est pas, qu pas, dangereux, que euh, mais il faut pas faire un suivi. On, on incite tout à fait à faire un suivi échographique, par exemple, et on voit l'évolution. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Euh, et donc l'acétose augmentera le rapport acido-basique, c'est-à-dire est-ce qu'elle est acidifiante La réponse est non. Clairement, il ne faut pas confondre l'acidocétose qui est une anomalie du métabolisme parce qu'il n'y a plus d'insuline et il y a une insulinopénie Et là, à ce moment-là, l'espérance de vie est, 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 est très courte, hein, quelques semaines à quelques mois. Et donc là, on perd tout, 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 tout très, très fort, très, très vite, parce qu'on a besoin d'insuline un tout petit peu. Là, on n'a même plus ce petit peu. Donc évidemment, c'est mortel, comme toute hormone. Et, euh, et voilà, mais dès qu'on a un tout petit peu d'insuline normale basale, et on en a toujours s'il n'y a pas d'anomalie autre, s'il n'y a pas de diabète de type 1, et bien à ce moment-là, non, nous ne, nous ne sommes jamais en cétose. On a des systèmes tampons qui permettent précisément d'éviter la cétose. Et euh, l'acidité, la, le pH urinaire, comme j'en je, ai parlé dans un précédent euh, live, euh, n'est pas du tout un bon marqueur de l'acidité euh, euh, du sang, euh, puisqu'elle est soumise à d'autres euh, règles. Euh, et qu'il euh, y a donc notamment tout ce qu'on va évacuer par le, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone au niveau respiratoire. Voilà, en cas d'excès, où vont ces lipides Eh bien, ces, ces lipides euh, sont, sont, sont pour la plupart brûlés, bien sûr. Euh, ils, ils peuvent être stockés, ce sera une question de Diane tout à l'heure, euh, de façon faible, euh, modeste, mais c'est vrai qu'on peut en stocker une partie euh, tout de même. Et heureusement, parce que sinon, on n'arriverait pas à un équilibre quand même. On, y, on serait toujours dans la, la destruction de graisse jusqu'à un point où, à force de détruire du, du gras, si on, a, si on serait en dessous de la réserve physiologique. Or, elle est maintenue. Euh, voilà pour ça. Et donc, il y a cinq mois que je suis la méthode Sequoia. Je m'en trouve satisfait. Merci, Robert. Mon oncologue aussi. Eh bien, tant mieux. Euh, bonne continuation. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite. Euh, alors, euh, ah oui, j'ai oublié de dire, on va parler de ménopause aussi. Hein. Euh, alors, euh, question suivante. Alors, euh, Suis alors euh, Yves qui nous dit euh, bon, bonjour, mes amis. J'ai une personne que j'aime beaucoup qui vit euh, tous les jours avec la maladie handicapante qui est la goutte. Est-ce vrai qu'une personne qui a ce trouble doit restreindre sa consommation de viande rouge? Merci, et je vous suis toujours. Je vous aime beaucoup. Merci, euh, c'est gentil. Euh, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, la goutte en fait, il y a, ya deux aspects y a un, un excès d'acide urique, dont une composante génétique pour laquelle, est, en tout cas, n'est pas exclue. Et deuxièmement, euh, il, il y a euh, une prédisposition. En fait, seulement 10% des personnes qui ont un excès, un franc excès, hein, donc au-delà de 500 micromolaires euh, d'acide urique, euh, qu'on appelle encore parfois urate, euh, à ne pas confondre avec euh, l'urée. Et, euh, euh, eh bien, cette, euh, cet acide urique, euh, lorsqu'il augmente véritablement, dans un certain nombre de cas, mais peu, hein, puisque 10%, ce n'est quand même pas la majorité, on peut déclencher une goutte qui est donc quelque chose qui est inflammatoire, qui fait partie en, des arthropathies, donc des atteintes des articulations, de causes inflammatoires, et donc liées à un processus qui met euh, en jeu des dépôts euh, d'acide urique euh, sous forme de cristaux, avec cristaux de calcium par exemple, mais il y a d'autres minéraux qui peuvent intervenir. Euh, bon, tout ça pour dire que. Euh, du coup on s'est dit, ah bah, vu que la, la dégradation de la viande fait augmenter l'acide urique, et eh bien la, la viande rouge en est certainement responsable. En fait, pas du tout. Un certain nombre d'études bien faites montrent que plus on est euh, végétarien ou végane, et plus l'acide urique augmente. C'est exactement ce que, je, ce que je vois tous les jours euh, dans mes consultations. Euh, et donc, en l'occurrence, ce qui, est, ce qui est frappant, c'est que oui, euh, l'acide urique, c'est la dégradation des purines. Les purines, en fait, ce n'est pas des protéines, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est euh, des, des bouts d'ADN. Et en fait, les, le muscle de la viande que l'on mange, euh, les cellules musculaires ou les cellules d'abat, euh, contiennent bien sûr un noyau, et là-dedans, il y a de l'ADN, des gènes. Et euh, ça, lorsque c'est dégradé, euh, eh bien, ça, va, ça va entraîner une augmentation de l'acide urique. Et on est fait pour, grâce à une mutation qui est survenue il y a euh, longtemps. Et euh, dans les mammifères euh, dire les plus récents au niveau de l'évolution, on a perdu la capacité à synthétiser de, de l'acide ascorbique, qui est devenu vitamine C, en l'occurrence, mais qui est donc devenu une vitamine, et on a gagné la capacité à synthétiser de l'acide urique. Alors certains y voient là une erreur de l'évolution, oh là là, quelle erreur, c'est catastrophique, mais pas du tout. L'acide urique, c'est un des plus puissants antioxydants qui existe, et l'acide urique est systématiquement diminué. Euh, enfin, systématiquement, très souvent diminué dans un certain nombre de maladies neurodégénératives, comme la, mal la maladie de Parkinson, par exemple. C'est très très fréquent. Alors, est-ce que c'est la cause ou la conséquence C'est une autre histoire, c'est complexe de le savoir. Mais toujours est-il que la urique, c'est vraiment un antioxydant puissant, très puissant. On en a besoin. Et c'est pas pour rien qu'on a été sélectionné sur un régime de plus en plus carnivore et avec des taux d'acide urique relativement euh, importants. Donc, la goutte, c'est un cas particulier. Et en fait, dans la pratique, qu'est-ce qui fait que la urique augmente de façon anormale, il y a un excès de production, il est vrai, et pourtant quelqu'un qui est un full carnivore a des taux d'acide urique à ma connaissance toujours normaux sur tous ceux que j'ai testés, moi le premier. Et deuxièmement, euh, euh, l'excès de production que l'on voit le plus souvent c'est le, le fructose. Vous savez que le fructose est un impasse métabolique chez l'homme, une partie est stockée sous forme de triglycérides directement dans le foie, donc c'est la, se, la seule exception on peut entraîner une insulino d'origine hépatique sans avoir fait un hyperinsulinisme au préalable, c'est-à-dire en de l'insuline puisque le fructose n'est pas détecté euh, à ce niveau-là. Le foie le transforme en triglycérides, devient un foie gras, donc devient résistant à l'insuline parce qu'il est gras. Et à ce moment-là, on, on entretient le cercle vicieux avec augmentation de la glycémie, etc. Donc, et euh, je vous rappelle que le fructose, à dose très forte, bien sûr, dans l'espace de quelques jours je dis bien quelques jours, peut entraîner, en moins d'une semaine, peut entraîner une statose hépatique. Donc on est dans quelque chose de redoutable. Euh, et je vous rappelle que tout ce qui a le goût sucré, euh, qui n'a pas été trop, trop, trop trafiqué, contient à peu près à peu près 50% de glucose, 50% de fructose, qui soit libre ou associé sous forme de saccharose, ce que les anglais, les anglo-saxons appellent le, le, le sucrose. Voilà. Et donc, euh, c'est-à-dire donc miel, euh, c'est-à-dire sucre blanc, c'est-à-dire etc. Et, euh, et ce fructose... Comme il y en a de... les fruits sont de plus en plus sucrés, ils contiennent bien sûr de plus en plus de glucose et de plus en plus de fructose. Et donc, en fait, de nombreuses personnes s'intoxiquent véritablement en fructose en mangeant des fruits, plusieurs fruits par jour. Et quand vous savez que les fruits sauvages contiennent à peu près 5% de glucides, tout compris, fructose-glucose, et que là, la plupart de nos fruits sont entre, à part les baies, on est plutôt entre 12-15 et plus près de 15 que 12, et ça monte jusqu'à 25 sans problème. Et je ne parle même pas des fruits secs, euh, des, des, des fruits séchés. Euh, voilà, donc on, on est vraiment dans des, des bombes euh, glucose-fructose, des bombes de sucre, et donc ça fait flamber l'acide avec Deuxièmement, le syndrome métabolique qui en résulte ou qui le précède, et euh, eh bien, et je vous renvoie sur une vidéo sur le, le syndrome métabolique si ce n'est pas clair, et eh bien à ce moment-là, là cette fois-ci c'est plutôt les glucides en général, et notamment le glucose avec euh, des excès d'insuline et une insuffisance de cholestérol, c'est ça le syndrome métabolique, en gros, euh, va derrière empêcher le rein d'éliminer correctement cet acide urique. Et donc, c'est la deuxième raison qui va faire qu'il augmente. Donc, excès de production, défaut d'élimination. Et donc, euh, on se retrouve du coup avec ces, ces taux euh, tr très importants. Et lorsqu'on a une fragilité et ou une prédisposition, etc., on va déclencher plus volontiers de la goutte. Et donc, non, bien sûr, la viande n'est pas du tout contre-indiquée. Et euh, il suffit de, de, de virer justement les, les mauvais végétaux pour, au contraire, euh, renverser. Euh, une, euh, un excès d'acide urique. Voilà, ça c'est très classique. Euh, et les, si les gens sont sceptiques, il suffit de faire des, des mesures et tout le monde sera convaincu. Alors, euh, bon, alors Steve, euh, bonjour, j'ai dévoré une grande partie de vos vidéos. Ça fait environ 5 mois que je suis la carnivore d'Ayette, principalement côte basse de bœuf, steak haché 20%, oeufs, beurre ou ghee. Et en coach, ah oui, alors des coachs, il y en a de plus en plus, effectivement. Alors bienvenue. Euh, J'emmène des, euh, des gens à changer leurs habitudes alimentaires. Est-ce que parmi l'une de vos vidéos, vous avez abordé la question de la perte de libido en cétogène carnivore Pour certaines personnes, ça viendrait d'un manque de glucides. Il conseillent 100 grammes minimum par jour. Alors, je ne partage pas, pas du tout ça, au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pour certains, viennent me consulter, alors là c'est plus souvent en téléconsulte, pour une baisse de libido. Et donc en fait, ils ont déjà la baisse de libido, justement avec un régime riche en glucides. Donc en fait, il ne faut pas tout mélanger. S'il y a une baisse de libido lors du changement d'alimentation, ça peut arriver, mais là aussi, ça peut en fait être simplement la décompensation d'une carence sous-jacente, et donc c'est intéressant de faire des explorations. Au contraire. La, la libido chez, chez l'homme, comme chez la femme, est directement liée au taux de testostérone. Et chez la femme, il faut aussi que les taux d'oestradiol soient suffisants, progestérone soit équilibré, etc. Il y a d'autres subtilités chez la femme. Mais la testo, dans les deux cas, est très important. Et à des, à des doses pas tout à fait identiques, bien entendu. Et donc, et chez l'homme, il faut que la, les ne soient pas trop hauts, mais il faut se méfier aussi des phytoestrogènes etc. Et c'est vrai qu'en changeant, on peut se mettre en cétogène. Mais en se mettant en cétogène, on peut aussi manger plein de végétaux qui contiennent par exemple des, des, euh, des, des phytoestrogènes. Et donc chez l'homme, c'est une cata. Et chez la femme, ce n'est pas mieux. Euh, pour des raisons opposées. Chez l'homme, ça monte le taux total d'œstrogènes. C'est moins puissant que les oestrogènes naturels, mais ça vient euh, plutôt s'ajouter chez l'homme. Et chez la femme, ça vient en compétition. Et comme c'est moins puissant, eh bien, on a plutôt une hypoestrogénie relative chez la femme et une hyper chez l'homme. Euh, donc ça, ça c'est un vrai, véritable problème euh, au niveau de la libido. Et au contraire, non, manger de la viande. Ça, ça renforce nettement la libido. Ce qui ne veut pas dire qu'en mangeant de la viande, on va automatiquement augmenter la libido. Il peut y avoir donc d'autres problèmes sous-jacents qu'il convient d'explorer, parfois des problèmes déjà d'origine hypophysaire, etc. En tout cas, moi pour l'heure, je ne connais personne qui avait une libido normale avant de passer en carnie et qui se retrouve avec une baisse de la libido depuis lors. Ça existe obligatoirement par des phénomènes de décompensation, mais je n'en connais pas. Et euh, là, c'est intéressant de faire un bilan métabolique. Donc, c'est des bilans hein, 80-100 paramètres, donc des bilans très onéreux. Euh, mais je pense que ça vaut le coup de, de faire ce genre de bilan pour voir où est-ce que ça bloque et euh, débloquer cette, cette situation. Voilà. Euh, et donc, justement, donc, ce, qui est, ce qui était reproché précisément à, à certaines personnes, c'était de manger euh, trop de viande et d'avoir trop, euh, trop de testostérone et d'être trop libidineux, et notamment. Euh, une partie de la population approchait ça à, à certains hommes et préférait qu'ils se mettent au végétal, puisqu'ils étaient beaucoup plus faciles à tenir euh, ayant perdu leur, leur libido. Voilà, donc je soumets cette, euh, cette réalité hein, à votre appréciation. Alors ensuite, Diane, si manger euh, du gras animal Ne crée pas de gras de réserve dans le corps en mangeant cette eau carnie. c'est donc bien les protéines qui sont transformées en réserve euh, en en mangeant plus que notre besoin. Car euh, un peu de gras pour les réserves en cas de manque de nourriture et de jolie rondeur, c'est quand même mieux. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas que l'aspect esthétique, même si bien sûr c'est important. Euh, on a une réserve physiologique et euh, c'est très difficile de passer en dessous de cette réserve physiologique. Et les bodybuilders le savent très bien, ils sont, ils sont obligés de pirater méchamment le système pour y arriver. Donc, euh, on peut tout à fait stocker, c'est vrai, mais dans un premier temps, c'est rarement ce qui se passe parce que pour arriver à stocker du gras, c'est un mécanisme qui n'est pas très clair. Hein. Stocker de la graisse à partir d'un régime cétogène, c'est quelque chose qui a été très peu étudié en réalité. Et donc, j'ai vérifié, j'ai refait des recherches complémentaires, mais il n'y a, a rien de nouveau à se mettre sous la dent, euh, du moins rien que j'ai trouvé de, de sérieux. Et du coup, euh, pour stocker du gras, il faut du sucre, puisque le, le glycérol, vous vous souvenez, quand on, on jeûne, euh, on brûle ses, ses graisses, et, euh, et de la même façon d'ailleurs que quand on fait une, une alimentation cétogène, c'est des triglycérides, trois acides gras qu'on va boler et puis le glycérol au milieu qui tient ces trois acides gras, c'est pour ça qu'on appelle triglycérides, et ce glycérol, il en faut deux, ils vont donner du glucose. Mais en fait, il y a un lien permanent entre glucose et glycérol. Le glycérol est lui-même fait à partir du glucose et ainsi de suite. Et donc, il faut du sucre pour euh, pouvoir stocker du gras sous forme de triglycérides. Et donc, euh, du coup, ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on est en cétogène, on a quand même du mal à stocker. Mais toutefois, il y a des gens qui plafonnent à un moment donné. Mais il peut y avoir différentes raisons dans la perte de poids. Et euh, par exemple, moi, en ce moment, je prends du, du poids, mais je m'inquiète pas parce que je sais que c'est tous les automnes pareil. Et, et donc, j'ai une variation d'à peu près 4 kg euh, entre mon poids d'été et euh, mon poids, alors mon poids de printemps plus exactement, et mon poids d'automne. Et donc, il y a un lien avec la, la durée de la, du jour, très probablement, ce qu'on appelle la photopériode. Mais bon, on pourra discuter euh, si ça vous intéresse ou si ça vous questionne, on pourra discuter à distance. Voilà. Donc, je, je stocke euh, et, et au printemps, dès, dès le mois de janvier et dès fin janvier, je déstocke massivement massivement, voilà, donc ça, ça alors après c'est plus ou moins prononcé chez les gens hein. donc oui, et pourtant j'ai des, des valeurs de, de cétose, de cétone pardon, de BHB qui sont euh, toujours de l'ordre de euh, au minimum 0,8 et ça peut être 1,2, 1,4, 2, voilà mais plus les cétones sont élevées en général plus je prends de poids, d'ailleurs ça c'est intéressant pour en discuter, mais c'est au-delà d'un certain nombre d'années, ça fait 5 ans hein, que je suis en cétogène, 4 ans en kéto Carniflex euh, avec plusieurs périodes qui est au strict et le, le flex est, est proche du strict en réalité, mais peu importe. Et donc euh, je, je, je surveille ça. Hein, et euh, voilà Mais donc il y a une histoire de, de métabolisme de base et de poids de consigne, c'est très intéressant. Et la cétose augmente lorsque justement je prends du poids, comme pour revenir à un poids d'équilibre. Et quand mes, mes cétones sont plutôt, euh, plutôt basses, et ben en fait, euh, alors toujours euh, au, au, largement dessus de 0,5, on est bien d'accord, mais. Plutôt basse en réalité euh, ça correspond à, à, à des périodes de perte de poids euh, et donc comme pour limiter un peu le métabolisme voilà donc euh, voilà pour ça et donc effectivement oui on peut très certainement euh, stocker du gras à partir du gras même sans manger de sucre puisque je vous rappelle que je suis entre 0 et 4 grammes maximum de glucides par jour euh, sauf exception mais elles sont très rares très très rares et, euh, et donc euh, voilà donc du coup on se retrouve effectivement à pouvoir stocker du gras mais de façon quand même plutôt modéré et qui peut augmenter en fonction de la saisonnalité ensuite zachary alors Zachary, euh, zacharie cinq questions là je, euh, ça fait beaucoup je vais ce que je vais faire c'est je vais répondre très très vite alors, lors d'un live, euh, euh, vous expliquez qu'après une journée de cheat meal euh, en glucides, on peut hacker le système en jeûnant de trois jours pour venir immédiatement à cette Mais en faisant cela, perd-on cette adaptation et en combien de temps revient-elle Alors, ça, c'est une excellente question euh, à laquelle je n'ai pas la réponse et, je et, et personne, à ma connaissance, n'a une réponse vraiment bien nette à ce niveau-là. Euh, bonsoir, Robert. Et, et donc, du coup, le. Euh, ce n'est pas très clair. Et donc, ce qu'on appelle cette adaptation, alors soyons clairs, hein, j'ai fait plusieurs lives où j'en parle en détail, je ne reviens pas là-dessus. Je parle de la cette adaptation, la vraie, celle qui permet à un sportif d'endurance de ne pas se heurter au mur, hein, the wall. Euh, donc, ça veut dire, je fais mon marathon, je fais ma rando de plusieurs heures, je fais peu importe mon trail, et je n'ai pas le mur. Voilà, ça c'est la définition pour moi de cette adaptation. Enfin pour moi que j'ai que j'ai piqué à et Finet tout simplement parce que je trouve que c'est de loin la, la plus logique d'un point de vue physiologique, euh, la plus et la plus la plus intuitive. Et donc cette céto adaptation là, est-ce qu'elle revient euh, aussi vite Ça je ne sais pas parce que moi-même je ne suis pas marathonien, je ne suis pas trailer ultra trailer, je fais pas d'Ironman, donc je ne peux pas répondre à la question personnellement. Par contre ce que je sais, c'est que euh, sur des, euh, des sports quand même d'endurance parfois un peu méchants, hein, des, randonnées, euh, euh, des randonnées de 3 heures avec, euh, je sais pas, 700 mètres de dénivelé et, euh, euh, et 20, 22 kg de, de charge, euh, où je me retrouve pendant 45 minutes en zone 5, euh, donc sur la, sur la, 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 la fréquence. Bon, objectivement, c'est quand même des, des sports d'endurance assez... C'est acceptable pour quelqu'un qui n'est pas un compétiteur du tout dans le domaine de l'endurance, comme moi. Eh bien, là pour le coup, je n'ai pas, pas du tout le mur. Hein. Et d'autres personnes qui ont fait ce genre de des choses proches n'ont pas du tout le mur non plus. Donc, je ne peux pas répondre. Euh, mais il semblerait que on retrouve quand même plus rapidement et qu'effectivement ces, ces deux adaptations reviennent plus rapidement. Est-ce qu'il y a un, un temps initial au bout duquel ce phénomène est réellement effectif ou est-ce que bon, ça je ne sais pas donc je n'ai pas les moyens de répondre plus à cette question, le mieux c'est d'essayer, et pour ça rien de tel qu'un bon sport d'endurance, une bonne rando bien difficile, voilà. et vous voyez si, si, vous, si vous prenez le mur ou pas, sachant que si vous avez la moindre crainte, vous prenez, parce que vous êtes loin du domicile, qui peut si jamais vous, vous tapez le mur, c'est vraiment un problème, à ce moment là vous prenez c est, c est, c est des sucres dégueulasses, ces fameux gels, et euh, bah, dont, dont parle justement euh, notre, notre confrère euh, dans, dans une interview récente que Victor a faite euh, avec lui, hein, euh, Hugo Le mal et, euh, et donc, euh, voilà, vous pouvez prendre ça sur vous au cas où, comme ça, ça peut ne serait-ce que vous rassurer. D'ailleurs, c'est intéressant quand les, les sportifs d'endurance se mettent à faire du sport en cétogène, c'est ce que je conseille, et la plupart du temps, ils peuvent s'en passer, et du coup, c'est impeccable, parce que la glucoadaptation est instantanée, donc en fait, il y a une grosse asymétrie, comme souvent dans la nature, et euh, eh bien, cette grosse asymétrie fait que la cétoadaptation peut être longue et plus difficile, en revanche, la glucoadaptation, à proprement parler, elle est immédiate. Ensuite, les protéines de la whey, donc le lactosérum, euh, sont-elles euh, là où le whey sont-elles moins inflammatoires que les caséines Y a-t-il de l'insuline dans le whey Faut-il privilégier la forme isolée de whey, c'est-à-dire sans lactose Alors, euh, le, euh, le, le lactosérum, alors, en fait c'est du lactosérum. Euh, euh, donc c'est du petit lait, hein, c est, c est, en gros c'est le, le petit lait euh, dont on a enlevé l'eau, hein, qui contient quand même le petit lait 94-95% d'eau. Et donc les, les protéines qu'il y a sont majoritairement euh, pas du tout des caséines. Les caséines c'est ce qui va coaguler justement, caséus hein, c'est le fromage, et, euh, et donc précisément c'est les autres protéines. Et ces autres protéines du coup vont se retrouver très concentrées, il est vrai. Euh, même s'il n'y euh, en a pas tant que ça, mais dans ces poudres, euh, bien sûr, du coup, elles sont très, très, très concentrées. Et ces protéines, en fait, sont des protéines bovines ou ovines-caprines, hein, peu importe. Euh, ça pourrait être aussi euh, issu d'autres espèces de mammifères, euh, comme, euh, comme par exemple les, les cervidés. Hein. Euh, mais euh, en, en l'occurrence, euh, ce, ce lactosérum, euh, il, il contient donc. Euh, outre du, du lactose d'ailleurs, hein, ce que vous mentionnez, donc oui, ça c'est pas souhaitable d'avoir du lactose en général pour la plupart des gens. En tout cas, après, ça dépend des gens quand même. Euh, on retrouve quand même des fameuses lactoglobulines, les albumines euh, bovines, euh, de, ce qu'on appelle parfois albumine bovine sérique euh, ou euh, euh, lact. Euh, euh, le deuxième nom me reviendra. Et, euh, et donc, la, la lactoglobuline, la bêta-lactoglobuline, euh, c'est la, la, la protéine qui fait, enfin, elle fait 50% des protéines du lactosérum. Donc, en fait, c'est la protéine la plus importante. Euh, et il faut bien savoir qu'elle est totalement absente du lait maternel chez l'homme. Hein. Donc, euh, c'est une protéine 100% étrangère. Donc, bon, euh, ce qui peut poser des, des problèmes ou non ou non, mais quand même. Euh, alors que les protéines de, de la viande sont souvent des protéines plus proches, en tous les cas, euh, de, de celles que l'on peut avoir. Et du coup, le, bon, en, en dehors de ça, il y a un certain nombre de euh, bon, de, de vitamines, donc ça c'est très bien. Il euh, y a du, du lysosyme qui, qui est bactéricide, y a, voilà. mais il y a un certain nombre de choses qui... Euh, et puis, il y a probablement des anticorps, hein, des, des immunoglobulines, et il y a effectivement probablement certaines euh, petites hormones de ce type-là, dont, dont l'insuline. Donc, c'est en ce sens où je ne pense pas que ce soit mieux, très franchement, je ne pense pas que ce soit mieux, mais attention, c'est un avis qui est subjectif, qui est déductif, dé 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 et je n'ai pas de données euh, scientifiques solides pour l'heure disponible, qui me permettent de répondre davantage. Et alors, euh, quand je dis à mon entourage que je consomme de la viande rouge presque quotidiennement, beaucoup s'insurgent sur l'impact environnemental. Alors bon, là je vais répondre très rapidement, parce qu'on n'a pas vocation à rentrer dans ces débats. Euh, je vais leur expliquer que tous les élevages ne se valent pas, que je manque de connaissances sur le sujet pour leur, faire, pour leur clouer le bec. Que pouvez-vous me dire à propos de l'empreinte carbone de l'élevage bovin, de la consommation d'eau, 100 litres par jour pour un bœuf je crois Est-ce plus polluant que pour les élevages de porc et de volailles, est-ce plus polluant que pour l'agriculture quand on prend en compte la déforestation, l'utilisation de pesticides et d'engrais Bon, le plus simple, c'est que vous lisiez des livres sur le sujet, il en existe, euh, dont euh, Sacred Cow, euh, euh, qui, qui est un très bon livre. Il y, a, il y a tout un tas de données beaucoup plus faciles maintenant d'accès, ça commence à se débloquer un petit peu, c'est encore compliqué, mais ça commence à se débloquer un petit peu, et euh, vous aurez la réponse à vos questions. Par ailleurs, euh, les livres. Euh, carni, euh, traite souvent de, et de plus en plus cet aspect-là, euh, et de, pa de fa façon parfois assez bluffante, hein, et avec des données qui, visiblement, ont totalement échappé, même à des gens qui se veulent euh, malins et euh, les référents, euh, que ce soit en climatologie ou plein de choses. Bref, toujours est-il que euh, si on prend un référentiel un peu autre, euh, qu'on élargit un peu le débat, les, euh, les bovidés au sens large, donc bovins, vins, caprins, euh, c'est une culture qui est pastorale. Euh, cette culture pastorale, ça veut donc dire des grandes herbes, ça veut dire euh, des zones qui sont entretenues par ça, etc. Euh, certaines études montrent qu'effectivement, ça diminue euh, tout à fait le, euh, les, ce qu'on pourrait obtenir comme gaz à effet de serre, par exemple. D'autres sont moins évidentes euh, là-dessus. Bon, euh, voilà, moi je n'ai pas d'avis à, à donner sur cette chaîne à ce niveau-là. Et, euh, mais il y a des données intéressantes qui existent. Et dans tous les cas, en termes de pollution, le problème est réglé. C'est-à-dire que vous amenez des animaux dans des parties de forêt, de clairière, etc. Donc vous ne coupez pas. Et en fait, souvent, c'est des murets de pierre qui ont été construits par l'homme, qui évitent d'ailleurs euh, la dégradation d'un euh, certain nombre de zones. Et on voit que ces zones sont complètement euh, à l'abandon, euh, dans plein de zones rurales. Dans différentes contrées, on les voit, on les voit très bien. Que ce soit parfois même quand on passe en train, mais plus encore dans différentes zones de semi montagneuses, c'est évident. Et donc, ces zones ont parfois même été bouleversées pour y faire de la culture de l'olive, de la culture d'autres choses, et puis bien sûr des champs, des champs, des champs de céréales, des champs d'autres choses. Voilà. Donc ça, si on tient compte. De la, de la pollution, de la déforestation, euh, de ce qu'on tue dans le sol, parce qu'il faut voir l'appauvrissement considérable. Euh, quand vous regardez les études qui montrent la concentration euh, par mètre cube de terre euh, en, en vers euh, divers et variés, donc les, les familles des lombriques, que soient soit les, les anécis, que ce soit peu importe, et, et euh, que différents euh, petits mammifères qui vivent ici aussi, euh, différentes autres espèces animales, c'est considérable. Et en fait, il y a un appauvrissement mais massif, massif de cette vie. En fait, il y a un génocide énorme en réalité euh, lorsque l'on va euh, couper des arbres et faire euh, une zone agricole. Voilà, donc ça, ça c'est clair, net et précis. Or, les salades et les tomates, ça pousse pas dans la forêt. Bon, Le, Alors que les, ces bêtes-là, que ce soit ces bêtes, mais aussi les cervidés et aussi les, les sangliers, voire les cochons, euh, fonctionnent très très bien. Et donc, on voit hein, une espèce de renouveau de cette tendance pastorale. Et là, moi, j'achète je, je, typiquement... Euh, j'ai la chance d'acheter à des éleveurs que, que je remercie euh, du, de l'agneau qui est nourri totalement à l'herbe, sauf les quelques derniers jours lorsqu'il revient. C'est du foin, il y a tout petit peu de céréales à peine, etc. D'une qualité extraordinaire. Alors, bien sûr, ça ne s'achète qu'à l'automne. Et, euh, voilà, et on a ce, ce, ce genre de, de, de possibilités et euh, il y en a de plus en plus. Donc, il vous suffit derrière de, de faire un petit peu de logique. Bien sûr, après, vous pouvez chercher des informations quantitatives dans des, dans des livres de référence. Voilà. Euh, voilà pour ça ensuite. donc je, je passe à les deux dernières questions. Euh, kevin, euh, je me permets de euh, reprendre une question que j'avais posée lors de la session de septembre qui avait été reportée, du coup. enfin euh, voilà, je pas pu tout traiter. le régime low-carb peut-il avoir un impact sur le cerveau? plus quelles activités cérébrales sont les plus bénéfiques pour notre santé? alors, le régime low-carb, oui, et, et cétogène en particulier a un impact extrêmement positif, puisque on pensait euh, euh, que environ 25% de l'énergie totale du cerveau devait être euh, provenait des glucides et qu'à peu près 75% provenait des cétones de, en situation idéale. Et en fait, il y a un certain nombre de, de travaux qui suggèrent qu'on est plutôt dans du 90-10. Donc 90% de cétone, 10% de, de glucose. Bon, je me fous du pourcentage égal euh, et précis, je veux dire, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que en termes de carburant, le cerveau. Euh, comme tous les organes ne peuvent pas se passer totalement du glucose, on en fait toujours d'ailleurs. et C'est pas pour rien que quand on brûle du gras et qu'on déstocke du gras, on maintient une glycémie basse, mais on la maintient. D'ailleurs, ça fera l'objet de la réponse à une autre question. Euh, et euh, quand je dis basse, c'est-à-dire à peu près la moitié. Une glycémie actuellement chez la plupart des gens, ça peut être autour d'un gramme par litre en moyenne. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont un petit peu en dessous, mais il y en a beaucoup au-dessus aussi. C'est à peu près un gramme. Eh bien, euh, lorsqu'on est euh, en jeûne, notamment, eh bien, on, on descend facilement. Euh, D'abord euh, à 0,70, 75, puis 0,65, 60, 65, 65, 0,55, 50, et on peut descendre même jusqu'à 0,45 en tolérant très bien. Là où ce serait un problème, c'est s'il n'y avait pas de cétone à côté et qu'il y avait un, un shoot d'insuline, et c'est ce que connaissent les diabétiques de type 1 ou ma, les, po, les malheureux de type 2 qui prennent de l'insuline. Quand ils font une injection trop importante d'insuline, l'insuline casse complètement les cétones, donc il n'y a pas de cétone à ce moment-là. Et la glycémie peut descendre très fort. Et si pour le coup, elle descend même à 0,70 brutalement alors qu'elle était à 1 gramme, là, on peut entraîner des signes d'hypoglycémie. Absolument. Donc ce qui compte, ce n'est pas tant la valeur absolue, c'est surtout la vitesse à laquelle ça se fait. Et y a-t-il en face une compensation par des cétones ou non Et euh, voilà. Donc ça, les... ça paraît très logique finalement. Donc les cétones, c'est le carburant qui est en plus neurotrophique, donc qui booste... Euh, certains aspects de, du, du maintien des cellules du cerveau, des aspects antineurodégénératifs, c'est de mieux en mieux documenté. Là, on a une explosion du nombre d'études scientifiques. Alors, toutes ne sont pas d'une méthodologie remarquable, malheureusement, mais enfin, au moins, ça intéresse, Dieu merci. Et donc, on a quand même vraiment des données très très intéressantes qui confirment, bon, l'expérience, bien sûr, mais au moins voilà ça permet d'ouvrir et de gagner en crédibilité puisque c'est un problème que vous abordez on est dans une espèce de communauté on partage des valeurs ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout mais on se comprend et le problème c'est que en dehors on est globalement assez incompris voilà voire euh, un peu pourchassé parfois donc euh, alors que bon nous globalement on pourchasse personne hein. euh, mais bon c'est comme ça alors du coup, euh, l'impact sur le cerveau est considérable, il est magnifique, c'est l'impact d'un carburant propre qui ne va pas, euh, pour faire un raccourci, encrasser le moteur, ce moteur particulier qui est la mitochondrie, c'est un moteur intelligent, c'est à la fois un moteur et un pilote de la cellule, si on estime que la cellule est la voiture, eh bien, euh, c'est un carburant extrêmement propre, extrêmement précieux. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça fonctionne mieux, que ça fonctionne plus vite, euh, ça diffuse très facilement dans le cerveau. Euh, et euh, voilà, il y, y a plein de, de raisons qui expliquent cela. Et donc, c'est de loin, ce n'est pas étonnant que ce soit de loin le meilleur des carburants et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on est en 100% glucose ou quasiment, comme c'est le cas actuellement avec les excès d'insuline, qui vont stopper encore une fois l'insuline, va bloquer la, la production de cétone. Et, euh, et là, à ce moment-là, le cerveau dysfonctionne. Et je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de chercheurs aimeraient, depuis des années, faire appeler Alzheimer, hein, la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 3, c'est-à-dire un diabète cérébral, c'est-à-dire une insulino-résistance cérébrale. Le cerveau a besoin d'insuline, il a besoin d'être sensible à l'insuline, mais à force d'en bouffer des caisses. Parce que. Il y a des excès de, de, de glucides dans tous les sens depuis des années. Il devient, pour certaines zones, résistant à l'insuline, pas pour toutes, comme pour le reste du corps d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a une variabilité régionale. Et donc, ce euh, cerveau résistant à l'insuline ne fonctionne plus et ne fonctionne plus correctement. Et euh, c'est très net dans les zones de l'hippocampe, par exemple, et où, paradoxalement, en injectant de l'insuline en local, sur très belles études, on arrive à restaurer des fonctions. Euh, voilà, ce qui en soi n'est pas du tout un traitement sur le long terme possible, puisqu'on va au final aggraver les choses, mais à court terme, on impose une sensibilité à l'insuline en augmentant la quantité, euh, et, et, et donc il y a des travaux comme ça extrêmement intéressants euh, pour montrer comment on peut dépasser cette insulino intracérébrale qui parfois précède le diabète de type 2. Ça veut, il, y a pro, il y a toujours, je pense, des problèmes métaboliques généraux qui précèdent en réalité, mais comme nos critères sont extrêmement laxistes, et eh bien évidemment, ah ne ben je comprends pas, je ne suis pas diabétique ou je suis pré pré-diabétique. Oui, enfin, pré c'est déjà un diabète, la preuve c'est qu'un pré-diabète pendant une dizaine d'années, c'est les reins qui sont en train de trinquer et qui parfois sont foutus. Et ça, c'est mon quotidien. Voilà, en consultation. Euh, quelles activités cérébrales sont les plus bénéfiques pour notre santé Alors ça pourra faire l'objet d'une formation peut-être si ça vous intéresse. Euh, en l'occurrence, les... Euh, il faut que ce soit varié, donc à la fois au niveau d'activité physique, de musculation pour sécréter du BDNF, mais là aussi c'est très long, peut-être qu'on pourrait en parler de façon un peu plus déliée. Deuxièmement, euh, il y a tout ce qui est très proprioceptif, donc yoga, pilates, etc. Donc tous ces mouvements de mobilité, renforcement euh, des muscles profonds, euh, avec des muscles euh, polyarticulaires qui sont particulièrement sollicités, mais la proprioception est très très fortement stimulée à ce niveau-là, alors que ce n'est pas du tout ni en courant, ni en faisant de la musculation, qu'on va véritablement euh, stimuler la proprioception. Des fois, ça, ça froisse certains quand on dit ça. mais La réalité, c'est que euh, le, si on est sur un terrain à peu près plat, où on peut avoir une faiblesse attentionnelle. Euh, et, et en fait, euh, voilà, est, on n'est pas, pas vraiment sur, sur quelque chose de très, très proprioceptif on est sur quelque chose de très automatisé, effectivement. Et le, le guidage visuel va permettre d'adapter assez facilement. Euh, ça ne pas une grande, une grande attention proprioceptive, entre guillemets. En revanche, lorsqu'on fait des mouvements de type pilates ou autre, là pour le coup, a, est, on est obligé de ressentir véritablement le mouvement, de s'imaginer dans l'espace parfois pour le faire, c'est complexe. Là, ça entraîne une forte charge proprioceptive. Et euh, c'est extrêmement euh, intéressant. Donc ça, c'est pour les activités physiques qui renforcent le cerveau, mais notamment aussi le cerveau de l'attention, le cerveau de la mémoire, le cerveau... De, voilà, ce n'est pas que ces zones-là. Il faut bien savoir qu'il y a un effet systémique sur le cerveau et sur le reste du corps, bien sûr. Euh, deuxièmement, en termes cognitifs, intellectuels, l'apprentissage. L'apprentissage de quelque chose de nouveau est typiquement l'apprentissage d'une langue, euh, d'une nouvelle langue, ou se perfectionner dans une langue que l'on a commencé à apprendre. Alors ça... Euh, et du coup, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très, très, euh, très très important. Oui Yannick, pas, pas d'inquiétude, euh, je vais venir à vous. Voilà, donc euh, certains aspects intéressants. Après, il y a l'hygiène de vie en général qui va aider, hein, mais pour stimuler de façon directe et dans les programmes personnalisés à la fois de rééducation neurologique sur les maladies neurodégénératives euh, que j'essaye je, de... Euh, de bloquer ou d'inverser, donc ça, ça figure bien sûr, euh, mais aussi euh, sur des programmes personnalisés de prévention neurologique. Euh, donc on fait des choses de façon bien sûr moins intense, plus light en prévention, euh, et en revanche euh, lorsqu'on est vraiment en, en réadaptation, rééducation, là euh, si la personne est motivée, il faut y aller très très fort bien sûr. Voilà. Euh, voilà pour ça. Ensuite, euh, ça c'est pour Kevin, Philippe. Philippe, euh, bonjour, c'est Victor. Peut-on dire qu'une hypercholestérolémie génétique facilite une prise de muscle Alors, à ma connaissance, non, mais je n'ai pas suffisamment trouvé d'articles pour pouvoir dire. Donc, euh, je n'ai pas euh, euh, hypercholestérolémie génétique, non, je n'ai pas d'informations euh, là-dessus. En fait, les hypercholestérolémies génétiques sont quand même assez rares, malgré tout. Et je n'ai pas trouvé d'études euh, d'essais cliniques, hein, donc d'essais contrôlés randomisés. Qui compare euh, prise de muscle chez, euh, chez ces, ces personnes. Donc, dans les recherches que j'ai faites, si vous avez un article, vous voulez que je, je jette un œil, je jetterai un œil hein, pour le prochain euh, QR, pas de problème. Mais moi, je n'en ai pas trouvé euh, dans la recherche que j'ai faite. Et donc, euh, sachant que c'est une maladie génétique et qu'en fait, on se focalise sur le cholestérol, en disant c'est ça qui augmente, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut arrêter de penser qu'un gène ne fait qu'une chose, hein, jamais de la vie. Un gène, ça fait plein de choses dans plein d'organes. La peau e, on se dit, oh, la peau E4, c'est euh, le transporteur du cholestérol. Enfin, ça sert à plein d'autres choses. Et en l'occurrence, il y a un rôle aussi dans la défense euh, anti-infectieuse. Donc, voilà, faut, attention, il faut rester quand même extrêmement prudent sur l'interprétation euh, et ne pas rentrer dans un biais cognitif qui est. Ce que Kahneman appelle le what you see is all there is, euh, qu'on qu peut traduire par euh, j'imagine que la réalité en gros se résume à ce que je peux voir. Voilà. Et euh, donc ça a une difficulté pour sortir de ce que l'on voit, dire bah oui, bah, je vois ça et je vois ça, lui est arrivé avant, c'est la cause, ça c'est la conséquence et basta. Bah non, en fait évidemment c'est pas, pas aussi simple que ça. C'est sûr que c'est difficile de prendre du recul, mais c'est extrêmement important. Euh, 0,83 g par litre de glycémie, donc ce qui en soi est très, très bien, mais seul, ça ne veut pas nous dire grand-chose tant qu'on n'a pas l'insuline, mais on va l'avoir indirectement, pour 0,3 mmol par litre de BHB, comment l'interpréter Donc BHB, c'est les cétones, hein, les, les principales, celles qu'on mesure, à peu près 80% de toutes les cétones, si ce n'est pas 90%, et euh, 0,3, c'est en dessous du seuil à 0,5. Hein. Euh, et donc bah là, c'est très simple, ça veut dire que les cétones sont pétées, et que donc, la cétogénèse est pétée, et, et la glycémie est plutôt euh, basse, souhaitable, bien. Hein? Mais donc ça veut dire que c'est très simple. Il y a eu, y a eu un pic d'insuline. Donc le pic d'insuline a fait diminuer la glycémie à 0,83. Et en fait donc cette glycémie normale, bien à 0,83, est le fruit d'un du, euh, du, pic d'insuline et qui a donc au passage pété l'acétose. Voilà. Euh, que signifie brouillard neurologique et peut-on, euh, en début de régime keto, avoir ce type de symptômes Alors la, la, oui, on peut avoir ça tout à fait au départ. Mais ça va s'estomper et ça va être le contraire derrière. Ça va être un très bon, euh, très bon mode de vie, surtout s'il est assez carni, hein, parce qu'on peut faire du keto euh, végétalien, ce que je ne recommande pas du tout. Euh, ou alors, si vous souhaitez le faire par philosophie, je peux le respecter, mais il faut connaître du coup les risques euh, derrière et bien se faire suivre. Et pas seulement sur quelques vitamines, sur des gros, gros bilans. Euh, mais ça, c'est un choix de vie. Si on veut, on cherche la, la, la longévité en bonne santé. Dans ce cas-là, c'est euh, plutôt du keto-carniflex, par exemple. Et dans ce cas-là, euh, le, le brouillard neurologique, ce serait un peu aussi le brouillard cérébral, le brain fog en anglais, ou brouillard mental. Donc, c'est l'impression d'être d'être un peu dans, dans, dans le cirage, on a ça généralement quand on a de la fièvre. Hein. Quand on a de la fièvre, on se sent un peu, un peu bizarre, un peu flottant. Euh, euh, parfois, ça peut rejoindre une sensation un peu ébrilleuse, alors qu'en réalité, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de consommation d'alcool, mais euh, comme le lendemain d'une soirée où il y aurait vraiment une consommation d'alcool trop importante, euh, voilà, ce, ce côté un peu j'ai l'impression d'écuver, ou j'ai l'impression d'être fébrile, euh, et donc, il y, y a comme un, une espèce de tangage que l'on retrouve dans euh, que l'on retrouve dans, dans certaines situations neurologiques et il y a aussi une espèce de tangage dans les idées. c'est une métaphore bien sûr, mais dire voilà c'est pas très clair, ça bouge un peu. Voilà, je ne me retrouve pas dans mon cerveau, j'ai du mal à avoir les idées claires, je suis ralenti. Et, euh, et alors ça pour les gens qui sont migraineux. Euh, euh, comme moi par exemple, euh, les, ils le savent très très bien et, euh, et ça peut précéder une migraine. Hein, en général, ça la précède. Donc en fait, pendant 12 heures ou 24 heures avant, on ne comprend pas, on dit, je ne comprends pas, je suis fatigué, mais sans être épuisé. Et en fait, c'est la migraine, c'est le début de la migraine hein, qui, euh, pour ceux qui connaissent, peut précéder de 48 heures la, la, la crise de douleur à proprement parler. Voilà, et qui d'ailleurs est nettement améliorée, euh, justement, Keto Carniflex. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, euh, Annick, voilà, Annick, pas de panique. Euh, Annick, elle nous a euh, envoyé une question intéressante. Alors j'aurais voulu partager l'écran, mais là je ne le peux pas facilement. Sur une analyse, euh, une analyse de l'eau. Excellente question, analyse de l'eau. Ma première question porte sur l'eau. Euh, je bois de l'eau du robinet, mais faut-il la filtrer par quel procédé Osmoseur, filtre à gravité de type berquet, argile, filtre à charbon Dans quel cas est-ce indispensable À titre d'exemple, voici les analyses effectuées par ma commune en juillet. Donc on a. Euh, donc, euh, une feuille officielle, République française, ministère chargé de la santé, à côté eau potable et à côté ARS, Agence régionale de santé. Voilà. Et donc, c'est résultat des analyses et contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine. Et donc, c'est en date du 10 juillet 2023 euh, par la SOR. Et euh, enfin, c'est la SOR qui, qui dit gens de ça. Et, euh, et le laboratoire donc met comme conclusion eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, la valeur élevée en chlore est susceptible de constituer une gêne pour les abonnés goût ou odeur. L'exploitant a été informé de cette situation des euh, connaissances de celle-ci par mon service. Très bien. Alors, euh, le chlore non, c'est pas seulement gênant euh, d'un point de vue goût ou odeur. en soi, c'est irritant. Euh, voilà. Donc, euh, alors, il y a une analyse qui euh, contient des recherches de bactériologiques, dont don, don des entérocoques, euh, un certain nombre de bactéries. Et chez, chez Acoli, bien sûr, c'est des marqueurs, en fait, de contamination par euh, les sels, par, euh, par, voilà, par le caca. Et donc, euh, là, en l'occurrence, il n'y a rien là-dessus. Très bien. Il y a différents pH qui ont été testés dans différentes conditions, sur place, mais aussi en laboratoire, euh, à différentes euh, températures, notamment. Donc, le pH est légèrement alcalin. Bon, très bien. Euh, le fer est, est faible, l'ammonium euh, est faible, les nitrites, sont... Tout ça c'est indétectable en réalité. Euh, les nitrates euh, sont à 0,08 euh, mg par litre, donc euh, pour le coup c'est très bien. Donc nitrate, nitrate, nitrite. Euh, L'aluminium est indétectable, mais un seuil de 10 microgrammes par litre, ce qui pour moi est un seuil beaucoup trop élevé, et pour une normale inférieure à 200 microgrammes par litre, ce qui est un scandale absolu, puisque 200 microgrammes par litre c'est extrêmement élevé. Euh, et donc, euh, mais c'est tout ce qu'on a. Et donc en fait, quid des cyanobactéries hyper importants ou des cyanotoxines en tout cas, quid euh, d'autres métaux euh, comme par exemple l'arsenic euh, qui est très fréquent dans un certain nombre de nappes phréatiques. Je vous rappelle que l'arsenic il peut être euh, euh, déversé lorsque l'on brûle euh, des forêts. Euh, euh, voilà. et, et donc, après, il se concentre dans les nappes phréatiques. C'est très, très courant dans des, dans des zones boisées où, qui, où il y a eu une destruction forestière et avec des arbres brûlés, par exemple. Mais ce n'est pas la seule cause. Il y a plein d'autres raisons. Puis, il y a des gisements aussi euh, en fonction des sols. Donc, ça, l'arsenic manque. S'il y avait un métal à rajouter, enfin, un métal, entre guillemets, ce serait l'arsenic, un polluant. Derrière, ce qui serait intéressant, c'est les pesticides qui n'ont pas été recherchés. Hein, donc, les dérivés, euh, euh, les dérivés phénols n'ont pas été cherchés, euh, voilà donc ça, ça c'est quand même important je pense euh, mais ça, ça devrait être mis là dessus c'est évident et puis tant qu'à faire on fait un screening métaux donc ça veut dire qu'on vérifie aussi le cadmium, on vérifie euh, le mercure, le voilà. d'autres choses qui manifestement n'apparaissent pas hein, euh, du tout dans cette analyse qui est vraiment une analyse c'est à peu près pour l'eau l'équivalent en simplicité de, du bilan sanguin annuel qu'on fait maintenant pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'à la limite, faire ça ou rien, on se demande ce qui est le mieux, parce que là, on est faussement rassuré, là aussi. La seconde, oui, donc filtrer, bah, il faut avoir des bonnes raisons de filtrer. Juste le chlore, pour moi, ce n'est pas forcément une raison absolue de filtrer. Euh, si derrière, on a des pesticides, de l'arsenic ou autre, oui, effectivement, il vaut mieux filtrer. Et quel est le meilleur, ça pour l'instant, il n'y a pas d'études très très nette à ma connaissance. En tout cas, moi, je n'arrive pas à trancher. Ce que je vois, c'est que globalement, la plupart des filtres sont bons pour l'arsenic, ça marche. Euh, et après, euh, et notamment sur l'osmoseur, ça marche pour l'arsenic, clairement. Donc, enfin, euh, sur quelques patients. Donc, il euh, y a eu un avant-après qui est très net. Bon, à méditer. La seconde vient d'une constatation. Mes dents sont devenues grises depuis que j'ai adopté le régime Carniflex. Pourquoi est-ce irréversible Quel produit sain utiliser pour y remédier Alors, ce n'est pas habituel. Euh, au contraire en général il y a une diminution du tartre etc. sauf qu'il n'y a pas forcément une disparition du tartre existant euh, des dépôts qui sont euh, en bonne partie liés donc à certains végétaux et surtout liés aussi beaucoup aux produits laitiers. Les fromages notamment sont des gros pourvoyeurs de dépôts au niveau des dents et, euh, et donc euh, on fait un, un bon détartrage ou autre euh, chez le dentiste et si on diminue ce genre de consommation effectivement là pour le coup c'est durable ça ne revient pas. Donc on va pas forcément renverser la situation juste euh, en keto carniflex. Par contre, on va éviter un entartrage derrière. Et euh, là où c'est très très net, c'est sur les, les caries dentaires, par exemple. Euh, alors pour moi, ça a été, ça a été une révélation et euh, c'est finalement assez tard que, je, mais bon, plutôt que d'autres, mais quand même assez tard que j'ai découvert tout ça. Et ça m'aurait valu bien des, euh, des économies, euh, notamment en termes de de douleur chez le dentiste et, euh, et de, 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 de dévitaliser des dents, dont on sait aujourd'hui que c'est quand même probablement un, un problème aussi. Bon, je ne vais pas en parler ce soir, mais des euh, foyers inflammatoires locaux semblent dans certains cas quasiment inévitables ou en tout cas très très fréquents à cause même de la dévitalisation, ce qui en soi finalement est assez logique. Bref, donc euh, sans qu'il y ait un gros abcès, hein, euh, et ça ne se voit pas toujours euh, sur un panoramique dentaire, ça se voit parfois lors de l'extraction de la dent. Ce qui quand même pose problème. Bon, soit, ça c'est une, une question annexe. Dans tous les cas, des dents grises, non, ce n'est pas, pas classique. Euh, et euh, donc, au contraire, normalement, plus on mange de la viande crue, certes, mais plus on mange de la viande rouge et crue, et plus on a des dents euh, blanches en parfaite santé, moins on a besoin de les brosser. Euh, voilà, donc, à voir. Après, euh, ça peut, il faut voir aussi quel dentifrice vous utilisez. Il faut voir euh, s'il y a des carences. Euh, euh, au niveau métabolique, parce que les dents sont aussi, pour celles qui sont vivantes, elles sont le reflet de votre santé, comme les cheveux, hein, comme les ongles, comme euh, voilà, la peau, tout ce que l'on veut. C'est des points d'appel. Donc c'est bien beau de vouloir se mettre à lotion pour le cheveu, j'ai rien contre, mais il faudrait pas faire ça avant d'avoir fait un bilan métabolique. Euh, si on ne trouve rien et qu'effectivement tout est normal, euh, et où que, euh, on fait la prise en charge nécessaire et qu'on ne peut pas faire mieux et que ça continue à tomber, oui, d'accord, on met des lotions, ok. Il y a un truc à la mode, c'est de se foutre du café dans les cheveux. Bon, pourquoi pas À la limite, c'est toujours moins toxique, probablement, de se mettre du café dans les cheveux que d'en que boire. En tout cas, à haute dose. Moi, j'en bois euh, chaque jour, mais j'essaye de limiter la quantité, bien sûr. Voilà. Donc, euh, et certaines personnes ne le tolèrent pas. Donc, pensez point d'appel, à mon avis, pensez point d'appel. Et encore une fois, c'est pas parce que ça apparaît. Après un changement alimentaire, que c'est le changement alimentaire qui est la cause. Hein. Souvenez-vous du, du Wiziati, what you see is all there is, c'est-à-dire euh, la, la réalité telle que je la comprends se résume à ce que je vois. Euh, ce que je vois constitue l'ensemble de la réalité, comme si j'avais une vision hyper zoomée et que je n'arrive pas à faire un grand, un, un grand angle, à, à reculer et à voir une vision beaucoup plus d'ensemble. Voilà, c'est le problème de la science moderne, c'est ce qui nous oppose en général euh, à d'autres scientifiques, c'est essentiellement ça. Voilà pour ça. Ensuite, euh, Kevin à nouveau. Euh, alors, je me permets de vous soumettre une question additionnelle en espérant que vous ayez le temps d'y répondre. Alors là, j'ai dépassé un peu, mais je vais aller très vite. Un grand merci pour vos précieux conseils lors de la dernière session directe direct dédiée aux longues heures de travail devant les écrans, de rien. Euh, j'ai immédiatement mis en œuvre vos recommandations, bravo, et j'observe déjà des progrès en particulier sur la qualité de mon sommeil. Voilà, c'est ce qui est très agréable avec vous, je ne vous le cache pas, c'est pour ça que des fois je déborde un peu alors que je ne devrais pas. Euh, c'est parce que vous êtes globalement hyper motivé et vous faites des changements incroyables en peu de temps. Et, et c'est vrai que c'est hyper stimulant pour le, le médecin que je suis de, de voir ça. Et euh, c'est vraiment ça qui nous, qui nous pousse à continuer euh, et, et de toujours co continuer à nous engager. Parce que c'est vrai que c'est devenu extrêmement rare, comme vous l'avez constaté vous-même, hein, bien sûr. Alors, cependant, pour prendre soin de mes yeux, je consomme actuellement des suppléments d'oméga-3, voilà, on y vient, euh, à un faible indice Totox ainsi que de la lutéine des zéaxanthine. Ces produits semblent atténuer la sécheresse oculaire et à les picotements que je ressens parfois en fin de journée, bien que je m'interroge sur la, la possible influence de l'effet placebo. Excellente remise en question, effectivement, ça peut être le cas. Euh, « Existe-t-il euh, d'autres suppléments ou types d'aliments que vous me recommanderiez d'intégrer de manière régulière à mon régime alimentaire pour améliorer la santé de mes yeux J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Bon. » euh, Très difficile de répondre sur juste la sécheresse oculaire. Il est vrai que les écrans font partie déjà par l'atmosphère chaude, hein, chaude et sèche. Deuxièmement, donc il y a une micro-atmosphère, il suffit de mettre un détecteur d'humidité. D'ailleurs, une des choses parfois subtiles, si vous n'avez pas trop de papier qui craigne à côté, c'est de mettre un petit humidificateur. Euh, éventuellement juste à ultrason et ce humidificateur, déjà, peut aider à diminuer la sécheresse oculaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, il y a donc le, la fixation de l'écran qui a tendance à bloquer un petit peu, euh, ou diminuer le réflexe de clignement. Et donc, euh, on, comme on est très très concentré, eh bien, on cligne beaucoup moins. Euh, alors que si on était plus à la coule, à regarder au loin, on clignerait beaucoup plus souvent, en général. Donc, ça aussi, ça y participe. En revanche, ce que vous faites... Alors certes, vous prenez des, des oméga 3 peu oxydés, vous avez un indice qui permet de vérifier que derrière elles sont de bonne qualité. Il y a enfin une étude, enfin pas une étude, une, une étude d'études de, de plusieurs euh, essais contrôlés randomisés qui ont été revus par la, la, la cellule de pharmacovigilance, c'est-à-dire qui, euh, qui surveille les effets secondaires, euh, notamment des médicaments, après leur commercialisation, ce qu'on appelle la phase 4. Et euh, donc, au, au sein pardon, de l'Union européenne. Hein, donc euh, euh, L'Agence européenne du médicament, euh, l'EMA, a donc une cellule de pharmacovigilance qui vient de publier, qui, qui vient maintenant il y a peut-être un mois à peine, trois semaines, c'est tout récent, un communiqué pour dire attention, il faut absolument qu'on euh, euh, qu oblige tous les fabricants d'oméga-3 à indiquer que ça augmente le risque d'arythmie cardiaque et notamment de fibrillation oculaire probablement d'autres problèmes cardiovasculaires, mais au moins celui-ci. Et deuxièmement, on doit donc ajouter aussi dans les précautions, ou en tout cas euh, dans des sections équivalentes, que ces médicaments, en fait, hein, ces interventions, ces gélules, tout ce que vous voulez, sont déconseillés fortement chez les gens qui souffrent déjà d'une fibrillation auriculaire. Donc le problème est clair. Les oméga 3, c'est cardiotoxique. Point barre. Donc, ce n'est pas étonnant. Les acides gras polyinsaturés, c'est toxique pour les muscles. On vous l'a dit, répété dans l'information. Nous ne sommes pas faits pour ingérer des caisses d'acides gras polyinsaturés, que ce soit méga 3, méga 6, même s'ils ne sont pas oxydés, même s'ils sont à longue chaîne, que tout va bien. On n'est pas fait pour ça. En manger un peu, oui, bien sûr. Après, euh, on, on peut croire parfois que les inuits, parce qu'il y a du saumon, ils saumonnent toute la journée. Pas du tout. Ils n'ont pas remplacé le saucisson par le saumon. Ils mangent essentiellement des mammifères marins. Ils mangent du saumon plus que d'autres, mais c'est quand même pas tant que ça. Voilà, même eux. Donc, attention, nous ne sommes pas faits pour manger des caisses d'oméga-3. Or, ce que vous voyez comme oméga-3 dans les gélules, c'est parfois considérable. C'est plusieurs grammes. Plusieurs grammes, c'est beaucoup. Euh, ça représente une quantité de poisson gras qui est considérable par jour, tous les jours. Donc, c'est bien, 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 bien plus que ce que font les... Quasi-totalité des cultures qui ont peuplé, euh, qui ont peuplé la planète euh, de façon évidente. Donc attention, parce on, on ne peut pas les brûler ces polyinsaturés, vous le savez, ou alors extrêmement difficilement. Donc en fait, on, on passe dans d'autres organites de la cellule qu'on appelle les peroxysomes, etc. Enfin, il y a tout un bazar pour essayer d'en de, faire quelque chose quand on, quand on dépasse la dose, parce que la dose elle sert à renouveler les membranes cellulaires, elle sert essentiellement et euh, probablement sur euh, des, des messagers euh, de l'inflammation pour euh, promouvoir et arrêter l'inflammation locale, ce qu'on appelle les écosanoïdes, bon, peu importe. Voilà, très bien. Mais c'est des toutes petites quantités qu'il nous faut. Ce n'est pas un carburant. C'est un rôle structurel. Et bien sûr que le, le bébé en a besoin de plus que l'adulte. C'est pour ça que dans les maternel, il y en a plus que euh, ce qu'on peut trouver dans la nourriture d'un adulte. C'est normal, c'est logique, c'est fait pour. Bien sûr, c'est prévu. Bon. Euh, et donc... Attention à ça, surtout pas d'oméga 3, attention, attention, attention. Voilà. Donc, euh, on pourra reparler si ça vous intéresse, mais là, on est content que enfin, les autorités de santé se penchent sur ce problème. Euh, du coup, euh, du coup, du coup, non, je recommande plutôt des mesures locales. Euh, éviter des, éventuellement certains médicaments si vous en prenez qui seraient anticholinergiques euh, et euh, faire une hygiène avec, euh, de travail avec des pauses régulières qui peuvent être de fermer les yeux quelques instants, rouvrir, cligner. On peut, vous pouvez faire des rituels de ce type-là avec le bromisateur Éventuellement, mettre quelques gouttes de collyre de larmes artificielles dans les yeux. Ce sera toujours mieux que ça. Et, euh, voilà. et attention euh, à ce que l'on peut prendre euh, sur euh, l'utéine, euh, les etc. Ce sont des. Euh, quelque part, d'un point de vue de l'homme, ce sont des xénobiotiques. Hein. Ce n'est pas des choses, <coughs> euh, entre guillemets, ce n'est pas des orthomolécules, même si j'aime pas ce mot-là. Euh, ce n'est pas des molécules naturelles. Voilà euh, Voilà pour ça. Ensuite, Laurent, euh, dans le cadre d'effets dus à la ménopause, avec bouffée de chaleur, euh, quelle solution Traitement hormon hormonal substitutif de la ménopause avec hormones biodisponibles bio ou phytoestrogène via des huiles essentielles et crèmes de progestérone même efficacité que le comprimé pour l'interrogation, ou rien du tout, et combien de temps pour les deux Première euh, solution, et merci de votre réponse. Donc Laurent, alors j'imagine que ce n'est pas tout à fait personnellement que vous me posez cette question, euh, et, et donc euh, en, en l'occurrence, euh, les bouffées de chaleur, c'est très intéressant, euh, puisque les bouffées de chaleur, euh, alors Valérie, j'y viens, et je vais certainement finir par vous, les bouffées de chaleur sont, euh, il y a un article récent qui montre que plus la ménopause est sévère, notamment en termes de bouffées de chaleur, euh, pas tant bouffées de chaleur, plutôt en sueur nocturne, mais les bouffées de chaleur peuvent en faire partie. Et plus elle survient tôt, bien sûr évidemment, et plus euh, donc ces deux conditions pas, pas forcément euh, euh, concomitantes, mais ces deux facteurs de euh, risque de déclin cognitif et de neurodégénérescence prématurée. Donc ce qui, ce qui est logique, hein, puisque c'est des hormones qui sont neurotrophiques, elles font pousser le cerveau, c'est des engrais pour le cerveau. Donc si, si, si ça se casse la gueule, ben, le cerveau se casse la gueule, c'est normal. Donc la ménopause est physiologique, elle existe, mais comme de par hasard chez les grandes sportives, la la, les, les règles démarrent plus tard, mais la ménopause survient plus tard, généralement. Là, je suis quelqu'un qui est encore hyper sportif, qui était une ex-compétitrice, euh, et, et qui, en fait, euh, a, a, a déjà euh, plus de 60 ans, et elle n'est pas du tout ménopausée. Euh, elle a ses règles parfaitement de façon régulière, etc. Et donc, très intéressant. Voilà. Donc... À ce moment-là, euh, lorsque euh, les hormones, moi je conseille d'abord de les doser, de vérifier que c'est bien de ménopause, c'est-à-dire de vérifier que les hormones hypophysaires sont suffisamment élevées pour montrer que l'hypophyse a perçu et qu'elle donne bien l'ordre de faire œstrogène progestérone et que les ovaires ne répondent pas et que par, hasard, par ailleurs, la surrénale non plus. La surrénale normalement remplace les ovaires de l'ordre de à peu près un dixième, ça dépend des gens, ça, mais je prends à peu près au moins 10% de la valeur initiale, ce qui est quand même pas mal en général. Euh, ça peut être plus, ça peut être 20%. Et donc, il y a quand même une, une prise en charge annexe par la surrénale, qui existe déjà à la base, mais qui augmente lors de la ménopause. Donc là, visiblement, si c'est réellement le cas, donc euh, FSHLH très élevé, euh, euh, donc estradiol en l'occurrence, et progestérone euh, indétectable ou très très basse, là, à ce moment-là, si c'est répété et qu'on a... On peut imaginer si l'âge est compatible qu'on puisse être en ménopause, mais faut-il faut être sûr hein? Moi, j'ai des femmes qui me disaient euh, :« Je suis ménopausée. » Bien, en fait, au bout d'un mois de prise en charge, les règles étaient revenues. Donc, euh, bon, voilà, j'ai connu ça. Alors, parfois, c'est pas un mois, des fois, c'est trois mois, mais euh, je vous assure qu'il y en a plusieurs qui, pour qui ça a fait ça. Hein? Donc, en l'occurrence, c'était un problème soit de blocage métabolique local ou parfois euh, au niveau de l'hypophyse. Et dans ce cas-là, les hormones hypophysaires sont basées. Bref, supposons que le diagnostic est parfaitement fait, et dans ce cas-là. Euh, J'ai tendance effectivement à conseiller un traitement hormonal substitutif de la ménopause avec des hormones euh, qui sont des hormones bio-identiques. Alors bien sûr, elles sont faites par l'industrie. C'est pas des hormones qui sont extraites d'une personne, mais c'est de l'ostradiol E2 et c'est de la progestérone 4p et rien d'autre. C'est pas euh, un agoniste de synthèse euh, tel qu'on les trouve d'ailleurs aussi dans les pilules contraceptives. Certainement pas. Ça pour le coup, euh, ça entraîne des, euh, des tumeurs, donc des cancers du sein pour tout ce qui est oestrogène de synthèse et euh, notamment des des méningiomes, hein, donc des tumeurs bénignes mais potentiellement mortelles, c'est le paradoxe dans le cerveau, euh, des hein, avec la progestérone de synthèse. Donc attention, surtout pas d'hormones de synthèse. En revanche, encore une très grosse analyse de, du printemps dernier montre que c'est très euh, safe de euh, prendre des hormones naturelles. Et je sais qu'il y a des prises de parti très très fortes là-dessus. Euh, et donc, je le conseille bien sûr, notamment euh, d'un point de vue neurologique déjà et neurométabolique en particulier. Voilà, donc traitement hormonal substitutif, oui, avec les hormones donc naturelles, faites artificiellement, certes, faites par de la synthèse de laboratoire, bien sûr, mais ce sont les hormones naturelles, euh, dont on aimerait d'ailleurs connaître le degré de pureté, etc. Malheureusement, ces informations ne sont pas disponibles, euh, mais ça, ça marche bien. Et euh, quant à la durée, euh, on dit Alors, il faut monitorer, hein. il faut voir de combien ça remonte. Il faut se mettre dans des valeurs euh, acceptables. Mais là, après, on rentre dans de la médecine personnalisée. Ça dépend des gens aussi et euh, des situations, des objectifs. Et moi, je n'ai pas tendance à mettre de limites nettes. Après, c'est un peu en fonction des gens, de, de leurs souhaits. Hein. C'est-à-dire que euh, à 70 ans, 75 ans, 80 ans, euh, voilà, pour certaines personnes, euh, c'est plus du tout une préoccupation. Euh, à l'arrêt des du, trai du traitement substitutif, il n'y a pas de, de symptômes vasomoteurs, comme on dit. Et euh, au niveau cognitif, les choses se passent bien. Elles ne souhaitent pas continuer ce traitement parce qu'effectivement, plus on prend longtemps, euh, euh, moins c'est naturel aussi. Tout dépend à quelle valeur on se met. Bon, je peux comprendre et on arrête, mais pour d'autres, on peut continuer. Voilà, mais ça, ça c'est évidemment, euh... <laughs> euh, tous mes confrères sont pas d'accord. Alors, Maïtécha, euh, bonjour, merci pour votre travail. Je suis passé du cétogène strict au carnivore avec produits laitiers, mais avec café, cela fait cinq semaines. Euh, en céto, je m'accorde 10 grammes de, de glucides. En carnie, je mange des fromages pour casser la monotonie. Que pensez-vous de ma nouvelle ligne de conduite bah, En soi, c'est très intéressant et il faut tester. C'est bien de tester, il n'y a rien de mortel là-dedans, on teste. Et en soi, moi je pense que c'est plutôt intéressant. Si ce n'est que le fromage, pas tous les jours, plutôt le week-end. Euh, Carnier avec produits laitiers bien choisi, fromage à pâte dure, chèvre aux brebis et d'autres jours, céto avec un peu de végétaux. Très bien. Euh, mes tests euh, sont concluants, j'ai posé un capteur, mes glycémies sont linéaires, je suis ravi cordialement. Alors, euh, glycémie, ok, mais il faut surveiller les cétones, hein. euh, glycémie seule, aucun intérêt. Mais euh, en tous les cas, s'il y a un moniteur de surveillance continue, moi je ne suis pas euh, euh, totalement euh, pour, parce que souvent, ça on occulte. La, la valeur d'une glycémie à jeun avec les cétones à jeun et les deux concomitantes, éventuellement dans d'autres situations, mais au moins à jeun sur le long cours, ça c'est intéressant. Euh, alors que sur le moniteur de continu, on a tendance à avoir plutôt, euh, vous savez, c'est un peu comme les actions, on a tendance à avoir plutôt les fluctuations plutôt que la tendance. Or, ce qui est important pour le corps, c'est la tendance. Voilà. Euh, Pierre, euh, alors, euh, bonjour docteur, arrive le moment où je pense, me, euh, complémentaire vitamine D, je suis tombé sur ce short donc en l'occurrence, euh, si j'ai bien compris, d'une naturopathe canadienne, euh, et qui dit que, euh, attention, si vous prenez de la vitamine D, vous allez augmenter considérablement le calcium dans le corps, et qu'il va manquer de la K2, et que donc du coup, euh, la vitamine D étant particulièrement conne, elle ne va pas savoir quoi faire de ce calcium, et que donc, il, euh, et comme le calcium est particulièrement con lui aussi, il va se déposer dans les artères, et, euh, et donc et il va faire des calculs rénaux. Bon, je caricature bien sûr, le travail qu'elle fait a l'air d'être très bien. Ce n'est pas du tout une attaque contre cette personne, je ne me permettrai pas. Euh, toutefois, ce que je veux dire par là, c'est que non, ce pas si simple que ça, évidemment, et en plus, on ne connaît certainement pas tout. Les euh, calculs, hein, les lithiases urinaires chez les gens supplémentaires en vitamine D, euh, c'est souvent quand on est euh, au-delà en chronique de 100 picogrammes par ml en dosage sanguin que ça survient et encore. Donc en fait, il faut vraiment une hypervitaminose D. Moi qui suis un nombre de patients important depuis des années, je peux vous dire que je les explore et je peux vous dire aussi que cette affirmation, qui est potentiellement logique, n'est pas fondée. Il est vrai que la vitamine K2 est indispensable pour aider, comme la vitamine A, et elle l'oublie dans, dans ce pas que la K2, pour diriger et permettre au calcium d'être bien utilisé par l'os notamment. Bon, très bien, il est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas supplémenter en vitamine D. En effet, euh, on peut avoir des, des apports de vitamine K2 qui sont tout à fait euh, corrects probablement euh, par exemple si l'on mange des abats, des rognons, foie par exemple euh, tout en ayant des apports de vitamine D insuffisants euh, en effet euh, nous sommes euh, sous des latitudes je prends euh, on va dire des Pyrénées euh, jusqu'aux Ardennes à peu près nous sommes sous des latitudes euh, même un peu plus haut à la limite euh, et un peu plus bas si l'on veut, euh, qui sont des, des latitudes où manifestement la vitamine D provenait pour part de l'alimentation et en bonne partie de l'exposition solaire. Or, l'exposition solaire, vous savez ce qu'il en est, nous sommes tous dans des intérieurs, on s'amuse même à faire des lives devant l'écran à 21h23, impeccable. Euh, voilà, donc tout ça n'est pas, pas très raisonnable. Et, mais bon, lorsque c'est exceptionnel, c'est acceptable. Et, mais tout ça pour dire que du coup, il est clair que nous manquons de vitamine D et plus que de vitamine K2. La K2, on ne la fait pas partir du soleil, du moins que l'on sache. Donc ça veut dire que parce qu'il y a un manque d'exposition solaire qui est quasiment impossible à rétablir, même si on fait des efforts, on va améliorer un peu les choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les normaliser. Donc non, il faut supplémenter en vitamine K2, c'est très clair, il suffit de faire des, des dosages pour le voir. Et ça n'empêche pas de supplémenter. Euh, donc, je ne sais pas si je me suis planté, je, je répète, il faut supplémenter en vitamine D, donc en D3, oui, bien, bien entendu. Mais euh, la K2, on peut supplémenter si les gens sont particulièrement dénutris ou ont une aversion pour les abats, etc. À ce moment-là. Ok. Donc, euh, du coup, euh, je, vous, je vous conseille tout à fait de manger à la fois des abats, notamment des rognons et du foie, euh, au moins une fois par semaine de chacun sinon deux, ce serait encore mieux. Et de vous supplémenter en D. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous supplémenter en D plus K2, sachant que la K2, il faut que ce soit de la MK4. Là, hein, là, euh, donc on dit MK pour Ménachinone ce sont des Ménachinones euh, qui vont de 4, qui est le même nombre de répétitions que la K1 d'ailleurs, et euh, jusqu'à euh, probablement 13 ou davantage. Et la, la plus facile à faire, c'est celle faite par des bactéries quand on, fait, quand on fait pourrir, enfin fermenter du soja. Et donc c'est de la MK7. Et on vous dit, ah c'est de la K2. Mais c'est on a un foutre que ce soit de la K2. On veut de la K2 MK4. Comme on dit, c'est de la B6. Mais oui, mais si c'est de la B6 végétale inactivée, de la pyridoxine, c'est bien beau. Mais pour l'activer en euh, pyridoxal, pyridoxamine et leur phosphate respectifs, on va devoir cramer de la B2 activée. Donc euh, en l'occurrence du, du FAD. Donc, et on va majorer une carence. Et oui. C'est bien beau de vouloir supplémenter, mais faut-il supplémenter que les bonnes molécules et connaître les valeurs des autres Sinon, on fait n'importe quoi. C'est ce qui est fait en général. Voilà. Donc, euh, donc ne soyez pas inquiets là-dessus. Euh, faites des dosages de temps en temps sanguin pour voir où vous en êtes, bien sûr. Euh, et puis, euh, si vous avez une aversion euh, pour les, les abats, et eh euh, supplémenter en cas de MK4, quasiment impossible à trouver, très difficile. On peut en trouver toutefois. Et, euh, et donc, euh, alors je me suis mis au foie de bœuf, alors je détestais ça. J'en ai acheté 4 kilos chez mon boucher, vu que personne n'en veut. Excellent, félicitations, donc chez vous, le problème est réglé. Euh, Yves, non, je n'ai pas retrouvé votre mail. Euh, donc, euh, ah oui, mais j'ai répondu en début, donc on est bon. Pierre, euh, quels sont les éléments à mesurer pour quelqu'un comme moi, sans pathologie connue, 63 ans, lors d'une prise de sang annuelle euh, Alors. Ok, euh, prise de sang annuelle. Alors là, le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Et surtout, bon, si on veut rester très généraliste, la moindre des choses, c'est de faire euh, donc euh, les globules rouges, les globules blancs plaquettes, ce qu'on appelle NFS euh, ou hémogramme. Deuxièmement, d'aller regarder euh, les principales enzymes du foie, asdatalate, gamma GT, euh, la fonction rénale avec une créatine plus une cystatine C, même si elle n'est pas remboursée. Euh, et pour le coup, elle est même recommandée par les sociétés... Euh, euh, nationale de, de, de néphrologie, transplantation, dialyse française, euh, nord-américaine par exemple. Et il faut faire l'équation mixte pour réellement avoir une idée du débit euh, de filtration glomérulaire, c'est-à-dire de la fonction rénale. Euh, par ailleurs, il faut, euh, je pense, avoir un bilan thyroïdien avec euh, TSH, T3, T4 et être sûr que les anticorps anti-TPO, euh, TG aient été faits par le passé à ce niveau-là. Euh, une vitesse de sédimentation avec une, euh, une CRP, une CRP euh, si possible ultra-sensible ou en tout cas sensible, c'est-à-dire avec un seuil de détection de 1 mg par litre et pas du tout euh, 5. Euh, et puis, bien sûr, euh, glucose plus insuline, à jeun bien entendu. Ça, c'est la base de la base. Euh, mais il me semble quand même indispensable d'aller faire quand même euh, B1 qui n'est pas remboursé, B9, B12 qui le sont, D qui n'est pas forcément euh, et euh, éventuellement de faire d'autres vitamines du groupe B. Alors, la B3 euh, en France, c'est une forme inactive qui est faite, donc ce n'est pas forcément toujours un excellent reflet. Faire la B2, par chance, c'est la forme, c'est le FAD, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est dosé. Donc, ça, c'est intéressant, ce n'est pas pris en charge, mais c'est intéressant. La B5 ne peut pas être faite en France, mais elle peut être faite ailleurs en Europe. Et euh, la biotine, euh, alors, quand je dis B5, c'est B5 sanguine hein, dans les aliments, ils la font, ces imbéciles, les mêmes labos, mais ils ne les font pas en, en sanguin. Euh, et, et la, la biotine hein, qu'on appelle B8, mais que les anglo-saxons appellent la B7 et les, et les Allemands la H, euh, ça peut être intéressant de la faire aussi, sachant qu'il faut arrêter toute supplémentation pendant au moins deux semaines avant. Et pour rappel, la biotine fausse les dosages hormonaux pour la plupart puisque c'est des tests qui utilisent la biotine et donc il y a une interférence directe. Et euh, la, la haute autorité de santé vient de faire un, un, un communiqué il y a quelques mois. J'en ai déjà parlé en disant attention à la biotine. Finalement, ils viennent de réaliser que ça peut foirer les dosages. Bon, ok. Hum, voilà, je pense après un bilan lipidique bien sûr, euh, un acide urique euh, et puis euh, là comme ça à froid, je, je dirais déjà ça. Ça me paraît, ça me paraît déjà bien. Euh, en tout cas, euh, le minimum. Ensuite, euh, Valérie. Valérie, une petite question pour ce soir. J'ai perdu trop de poids depuis que j'ai démarré le régime séquoia santé. J'aimerais bien en reprendre un peu. Il faut que j'augmente ma quantité de gras, je suppose. Alors, ça, je ne sais pas de combien vous partez, donc déjà, c'est difficile pour moi de vous répondre. Euh, et ayant des pathologies inflammatoires, j'avais limité, voire supprimé le beurre, les fromages, même affinés depuis longtemps à cause de la caséine potentiellement inflammatoire. Donc, vous avez eu raison. Y a-t-il un moyen de dépister les aliments auxquels on peut être sensible plutôt que de me priver de ce genre d'aliments où, où bien il faut faire une approche, je teste et je vois, mais le problème c'est que l'inflammation n'est pas arrivée en un jour, elle ne va pas partir en quelques jours non plus, vous avez raison. Euh, tout supprimer de potentiellement est-ce risque d'être fort long, euh, très réducteur j'ai peur de me lasser d'essayer. Bon, après c'est vous qui voyez. Euh, en tous les cas, difficile de répondre a priori. Euh, ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que... Euh, au plus vous êtes carnivore, euh, et c'est la thèse que l'on soutient chez Sequoia, euh, moins vous êtes inflammatoire. Déjà, après, attention, il faut bien choisir. Si vous choisissez euh, du gras de porc nourri au grain, vous êtes bourré d'oméga 6, et euh, donc ça, ce n'est pas, pas souhaitable. Donc après, il y a la qualité pour certains types de viande et certains types de graisse. Donc, euh, moi, je, je pense que le beurre, euh, vous pouvez prendre parce qu'il y a quand même très, très peu de, de caséine dans le beurre, hein, les, enfin, les protéines en soi dans le beurre c'est moins de 1%. Donc euh, c'est en dehors d'une maladie inflammatoire comme par exemple une sclérose en plaques qui serait déjà installée, là effectivement je vais peut-être aller jusqu'à euh, suggérer de ne pas prendre du beurre mais de le prendre sous forme de ghee, mais c'est peut-être la seule exception. Euh, donc si c'est votre cas effectivement privilégiez le ghee mais là à ce moment là vous êtes tranquille. Et par ailleurs, privilégier la graisse sous-cutanée, mais surtout la, la, la graisse dite de rognon, la périrénale, le suède, pour lesquelles j'ai fait des vidéos, et pour, et pour laquelle vous pouvez trouver euh, du bœuf nourri à l'herbe. Alors en France, le cahier des charges est quand même assez clément euh, pour le consommateur, sans être parfait, puisque le bœuf doit être nourri principalement à l'herbe, Normalement, c'est 84% dans la plupart des cahiers des charges. Euh, en Allemagne, c'est moins exigeant. Visiblement, ça peut être jusqu'à 50% de, de grains. Et ça, ça modifie la graisse. Donc voilà, méfiance là-dessus. Euh, et euh, deuxièmement, il faut éviter les lectines. Euh, et euh, vous avez de toute façon un spectre hein, qui est inclus dans la formation des, de toxicité des végétaux. Orientez-vous en fonction de ça. Pensez peler, épépiner et, et cuire pour chacun de vos végétaux. Ça, c'est très important et vous allez euh, régler un certain nombre de problèmes. Si vous perdez du poids, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment en hypocalorique sévère, c'est-à-dire que même l'ordre de poids de consigne ne peut, pas, euh, ne, ne peut pas faire avec, et à ce moment-là, donc, forcément, c'est dans les rares cas où les entre guillemets, calories peuvent compter, et donc vous êtes dans un, dans un mode de dénutrition, euh, type famine, soit... Euh, en fait, vous avez du gras à perdre qui ne se voit pas forcément. Et euh, en, en général, quand on passe en cétogène, ou même en kétocarnie, on commence par perdre du gras, et ensuite on fait du muscle. Et donc, il y a des gens comme ça qui se disent, mon dieu, mais je perds, je fonds, je fonds. Mais en fait, quand on regarde la masse musculaire, pour les rares qui, euh, qui, qui souhaitent faire une, une densitométrie corporelle, pas osseuse, hein, c'est pas une ostéodensitométrie, de c'est le même appareil, mais c'est un module supplémentaire. Et c'est pas remboursé, c'est une soixantaine d'euros. Si vous faites ça, euh, vous allez voir votre composition corporelle, vous calculez, et vous refaites ça après, vous verrez que vous n'avez rien perdu en termes de masse musculaire. Rien du tout. Par contre, il ne faut pas faire de l'impédance métrique sur de la balance, ça c'est de la merde, hein, pour parler. Euh, mais, euh, euh, Donc là, à ce moment-là, vous verrez que vous ne perdez pas de, vous perdez pas de, de muscle. Euh, si vous la, la seule façon de perdre du muscle, c'est de passer normalement en dessous de la réserve. De la réserve de 10%. Donc de, de gras, ça veut dire vraiment euh, n'avoir plus aucun signe de gras ni corporel euh, ni à l'intérieur. Hein. Donc ça, ça c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et euh, si vous mangez suffisamment de viande, normalement, il n'y a, a pas de raison. Donc ce n'est pas forcément manger plus de gras en soi, je dirais manger plus de viande. Et euh, un, un bon indicateur, c'est de dire à peu près 1,3 grammes. Euh, de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, c'est bien. Attention, c'est adapté, là, je vous parle en général. Euh, si vous les absorbez mal, alors il faut faire plus, on peut monter à 1,5. Et donc, en fait, pour la majorité des gens euh, qui se situent, il ne faut pas prendre de poids euh, réel, forcément, mais le poids plutôt idéal. Donc, vous calculez euh, avec un IMC idéal. Bon, enfin bon là, on rentre dans de la médecine personnalisée, mais on va dire en fonction de la taille. Si vous, êtes, euh, euh, vous avez une taille entre 1,60 et 1,75 m, globalement, on est entre... 350, 370 euh, grammes d'équivalent viande rouge par jour, jusqu'à 400. Voilà, euh, d'équivalent viande rouge. Sachant que l'œuf c'est deux fois moins de, de protéines que la, que la viande rouge en général, donc ça veut dire que 100 grammes d'œuf, de ça ne fait que 50 grammes d'équivalent viande rouge. Voilà, et il faut bien avoir ça en tête. Donc quand je vous dis 400 grammes ou 350, 370, c'est ça. Et je pense que c'est pas du tout ce que vous mangez. Euh, et si c'est ce que vous mangez, alors Soit vous avez un très gros trouble de l'absorption, ce qui est possible, et dans ce cas il faut faire un fécalogramme par exemple. Euh, soit vous avez euh, donc digestion absorption, soit vous avez... Euh, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Hum, bon, ça m'a échappé. Je crois que il est, il, est, il est temps de, de terminer. Voilà. Euh, en ce qui concerne neuf, pensez à si vous avez vraiment une grosse maladie inflammatoire connue, très active, à peut-être éliminer le blanc. Et si c'est juste un terrain inflammatoire, simplement bien faire cuire le blanc et, euh, et bénéficier euh, davantage du, du jaune. Voilà, voilà ce qu'on peut dire d'ores et déjà. Euh, donc, suivre le spectre de toxicité, augmenter les apports euh, carnet rouge euh, et le gras, ça peut être dans un second temps, bien entendu. Euh, mais euh, je pense qu'à la base, c'est certainement un, un manque d'apport euh, déjà protéi protéique. Voilà. Euh, donc mesurez réellement ce que, ce que vous prenez, pensez à saler suffisamment. Je vous rappelle que la plupart des vitamines, euh, notamment du groupe B, sont absorbées grâce à du sodium. Donc pas de sel de table, pas de sodium, pas de sodium, pas de vitamine. Ok, bon, je vais devoir arrêter ici. Euh, il me reste encore un certain nombre de questions, désolé. Euh, du coup, euh, je vous demande pour ceux à qui je n'ai pas répondu de me renvoyer, si vous le souhaitez, les questions lorsque je vous enverrai le mail pour le prochain QR, donc je vous l'enverrai dans à peu près trois semaines. Euh, à ce moment-là, renvoyez-moi vos questions, euh, et renvoyez-les d'ailleurs rapidement après réception, que je les traite en premier. Euh, là, il faut vraiment que je m'arrête pour ce soir, on est à une, une heure et demie. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne santé. Euh, et euh, alors, juste un mot pour Daniel, oui, je viens de voir, euh, j'aimerais arrêter de grossir, j'ai vu des valeurs, euh, c'était je crois pour le QR précédent les valeurs de ces tonnes qui sont trop basses, euh, 0,3, donc voilà. Après, il faut vérifier les, les valeurs de ces tonnes et bien faire monitorage, euh, tour de taille, donc euh, tour de taille plus... Le poids, bien sûr, plus c'est plus glucose, ça peut beaucoup, beaucoup aider euh, à voir un petit peu où on en est. Et je pense que ces quatre paramètres, c'est vrai que c'est un peu pénible, mais on peut faire ça au quotidien pendant quelques temps encore. Et, et il faut tenir compte aussi de la saisonnalité, donc pas de déprime, même si d'ailleurs, c'est un moment où on fait plus souvent de dépression, ou en tout cas, le moral baisse à l'automne, probablement pour les mêmes, par rapport aux mêmes effets de, de photopériode et de manque d'illumination, pour le coup, du cerveau. Euh, voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne fin de soirée, euh, attention aux écrans et euh, je vous dis à très bientôt. Au revoir.